Salut tout le monde! Salut! Hello! Hello! Coucou! Et la parole est au MJ! Déjà? Ah bah ouais, t'as pas faire! Hein. Bah, c'est pas comme s'il y avait 50 personnes, hein, sur mon live! Non, on est 3. Ah, je vais être obligé de couper la musique! Alors, bon ben, je vais couper cette belle musique pour en enchaîner sur une autre. C'est parti, mon kiki. Alors, le soleil se lève sur la ville d'Arabelle. Ses rues commencent à être agitées par les habitants qui s'affairent à leurs tâches. Les amis se saluent, les commerçants ouvrent leurs échoppes, les enfants font leurs corvées. Un chien aboie sur un chat au perché qui fait nonchalamment sa toilette. Une belle demoiselle étend son linge, un ouvrier transporte une lourde caisse. Au point de rendez-vous, de jeunes personnes sont attendues devant la guilde des aventuriers d'Arabelle, avec pour seule consigne se présenter à la caserne principale de la garde, sous la houlette et la supervision de Anil, Rajdato et de Anulu, qui doivent encadrer les postulants. C'est à vous. Bon, annule de F féminin accompagné d'une pantin noire. Ça doit être à peu près tout. Ça doit être tout à peu près. Anil qui a une caractéristique 22 ans. Qui est donc jeune et qui a également donc des oreilles bien pointues. Qui montre ses origines un peu elfiques, tout de même. Elle est habillée de quelle façon, Anil? En cuir, mais très léger, on va dire. Très pour être discrète dans la forêt. Mm-hmm. Oui, c'est une druide dont elle est. Elle est druide. C'est son élément, la forêt. Tout à fait. Elle est recouverte, elle est habillée de cuir. Un arc court, un bâton, et effectivement, une panthère à ses côtés. Une dague aussi. Tout à fait. Et donc, juste à côté de Anil, se trouve... Sylvia. Excuse. Vas-y, Rajdato. Ok. Eh bien, moi, je suis Rajdato, comme déjà dit deux fois. Je suis un félis chevalier guerrier de niveau 2 qui fait 1m77 pour 76 kilos. La belle bestiole. Et c'est tout, en fait. J'ai un cheval qui s'appelle Rajidar, et que je fais... auquel je tiens comme la prunelle de mes yeux parce que je le connais depuis ma tendre enfance. Donc un vaillant combattant cuirassé surmonté d'une tête de lion assez impressionnant. Et juste à côté donc de ces deux personnes, une autre silhouette un peu plus sombre. Celle de nouveau, une âme forgée, un balétrier, vêtu principalement d'une armure de cuir sombre ainsi que d'une grande cape. Vous pouvez voir sur son dos une arbalète lourde ainsi qu'à sa ceinture une épée.
Et on distingue donc une silhouette qui se... Qui se... Pardon, je n'ai pas entendu. Qui se... Une silhouette qui se rapproche. Olshad. Sylvia du bois de Chondal. Vous remarquez un homme, 1m72. Il a les oreilles légèrement effilées, caractéristiques d'elfe. Mais néanmoins, ses traits sont assez humains. On peut deviner finalement un croisement d'elfe et d'humain. Il est habillé d'une armure de cuir marron. Il a une barbe, une moustache assez propre, des cheveux assez longs. Sur le côté, il tient également un bâton qui l'aide peut-être à marcher. Il semble assez frêle pour ses 1m72 et il parle assez peu. Il a un arc également et on peut distinguer une petite dague sur le côté qui ne lui sert que très rarement. Il est temps que le dernier larron fasse son entrée. Entrée en soi fracassante, étant donné que, pour distinguer un petit peu la manière de marcher d'Hildegarde pour le moment, c'est similaire à Jack Sparrow, donc c'est très aléatoire comme façon de marcher. Il semble tourner sur lui-même. C'est un bouffon, tatoué de partout, avec un certain nombre de tatouages plus ou moins cabalistiques. Les cheveux bleus, ça se voit que c'est artificiel. Il a donc une larme au niveau du visage, enfin, de tatoué. Il porte une dague et une rapière, une armure de cuir, et semble plutôt décontracté, malgré le fait que ce soit une mission qui soit potentiellement sérieuse. Donc c'est sous ce soleil qui se lève, sous cette belle journée qui que se réunissent devant le bâton de la guilde d'aventuriers d'Arabelle. Des aventuriers qui ont été acceptés, qui ont postulé, qui ont rempli une mission, qui ont été effectivement enrôlés d'île. Anoulou, Anil, RH Dato. Vous avez en charge donc la supervision des nouvelles recrues. Et avec pour seule consigne, aujourd'hui, vous présentez donc à la caserne principale de la garde de la ville d'Arabelle. D'accord. Donc c'est la première fois que vous voyez effectivement ce demi-elfe et cet être un peu bariolé. Salutations. Et bien, un certain entrain. Enchanté, je suppose que vous êtes les nouvelles recrues de la guilde. Perspicace. Je réponds juste par un hochement de tête. Le contraste entre ces deux nouvelles recrues est assez saisissant. Ça vous laisse un peu pantois. Est-ce une possibilité d'avoir un acompte? Disons que je meurs de faim, et ça risque d'être compliqué, surtout si je ne mange pas. Une pièce d'or, quelque chose du genre. Si tu as absolument besoin d'argent pour un repas, je pourrais payer à ta place, n'est pas un problème. Ouais. Je pense que je tends la main vers Anoulou. J'ai dit que je paierai à ta place. Qui veut? D'accord. C'est pas très bavard. Polchad Kiko. Oui. Il y a des arbres à côté de nous ou pas? Oui. Donc je peux lancer ben magique sur un arbre. On va dire que tu as déjà utilisé ton talent ce matin. Tu le fais, on va dire c'est une routine tous les matins.
Bien souvent, tu le fais puisque tu ne vis pas à l'intérieur des murs d'Arabelle, tu vis juste dans les bois, juste à l'extérieur. Et effectivement, il t'en reste une dans les poches, effectivement, qui a encore des vertus curatives. Bah, je l'offre à Joker pour qu'il puisse manger, vu que ça aussi sa vie d'un repas complet. Ah, non, merci. Vous devriez accepter ce que la nature vous offre. Mais encore, je n'ai pas envie de fruits, ni de légumes, ou quoi que ce soit. J'ai d'autres envies. Je sens que je vais bien aimer celui-là. Dis-je en descendant de mon choual. Bien, l'ordre de mission, concrètement, c'est quoi ? Ça a l'air complètement... Nous devons vous présenter à la caserne de la garde. Ah. Tout simplement. Pour information, la caserne de la garde, où venons loin, là où je ping sur la carte. Ok. Très bien. Et nous, on est là, ça. Non, c'est au-dessus. On est là, c'est ça. On est en face, hein, mais... Oui, il suffit juste de traverser, de remonter un peu la rue. J'ai le pourvu. Je vais prendre mon cheval par les rênes et je vais commencer à marcher. Je vais leur faire... allez, plutôt on y sera. Plutôt on y sera. De sages paroles. Si je comprends bien, cette petite troupe se met en marche. Effectivement. Vous suivez donc le Félisque. C'est effectivement pas très loin. Hein, donc, c'est un bâtiment fort où vous pouvez voir à l'extérieur un contingent de gardes en rang et en faisant des exercices de mise au pas. Somme toute assez militaires. Un sergent qui semble hurler sur eux. En leur donnant des consignes. Et vous vous présentez donc à l'entrée principale où sont postés deux autres gardes, un petit peu plus âgés, un peu plus barbus. Et l'un d'eux vous fait signe de tête. Oui ? Oui, bonjour, on vient de la part de la compagnie... Les héros d'Arabelle. La compagnie des aventuriers d'Arabelle. Ah oui. Attendez, on va vous annoncer. D'accord, merci. Donc, il rentre dans le bâtiment. L'autre jette un coup d'œil sur vous. Semble lasse et pas très très bien réveillé en fin de compte. Vous patientez là, bien sûr, les portes ouvertes, vous voyez l'intérieur de la cour où s'affairent les militaires, quoi, leur vie. Est-ce qu'il y a une barre pour attacher les chevaux ? Juste dans l'entrée, là, actuellement, là, non. Non, non. À l'intérieur, il y a effectivement une écurie. Eh bien, je vais juste le mettre sur le côté et je vais lui dire... Je vais juste lui dire... Tu ne bouges pas de la Rajidar. Il te regarde et il s'ébroue un peu. Ouais. Kiko, ma panthère me suit tout le temps tant que je lui dis rien. Ça marche, pas de souci. Effectivement, dans cette ville, être accompagné d'animaux, surtout pour les aventuriers d'Arabelle, ça semble assez commun, on va dire. Entre les ours, les loups, une panthère, pourquoi pas. Ça fait 5 minutes que vous attendez. Regardez ce petit train-train quotidien de garde. Dans un silence absolu, ou est-ce qu'il y a quelques paroles qui s'échangent, mis à part Rajdato et son cheval ? Bah, j'essaie de discuter avec Sylvia. Mm-hmm. Vu qu'on est de la même race, on va dire. Faites. J'essaie de
J'essaie de savoir d'où il vient et tout ça. Je viens du bois de Chondal. Et je sais à peu près où c'est ou pas Le bois de Chondal? Ouais. En tant que druidesse, tu sais que c'est l'un, si ce n'est le bois sacré le plus éminent de la région du Cormyr. Ok. Rien que ça. Oui. Vous avez une belle monture, chevalier. Merci. Et t'auras sûrement Ragnar qui va aussi s'ébrouer un petit peu comme s'il disait merci aussi. Vous semblez en prendre soin, mais c'est une très bonne chose. Une bonne monture, une monture bien comment dire, une monture bien bien gardée. Et une monture qui fera tout pour vous. Dans cette discussion fort intéressante, mais je ne connais pas vos noms. C'est vrai. Rage d'atout. Chevalier. Vous pouvez je vais tendre la main. Bah, Sylvia du bois de Chondal. Et vous-même? Joker. Et vous autres? Anil Druides. Enchanté. Joker. Et vous? Anulo, un balétrier. Mais c'est pas parler plus fort, je cherche Joker. Hein. Ah. Mm. Si je me rapproche du micro. C'est mieux. Je rapproche le micro tout le temps. Alors, par contre, évidemment, Anil et Sylvias, même si c'est pas très poli de juger les gens au premier ressenti, c'est vrai qu'il y a une certaine froideur, peut-être une certaine antipathie envers qui. Ouais, il y a quelque chose qui est assez dérangeant en lui, pour vous. Et comment se porte ma panthère par rapport à lui? Elle grogne pas. Elle a tendance, par contre, en ce moment même, tendance à renifler du côté de Rage Dato. Elle se demande c'est quoi. De la famille, peut-être, je ne sais pas. le garde de la porte revient. Le commandant arrive. Ok. Merci. Une seconde ou deux après avoir dit ça, effectivement, un homme armuré se présente à vous. D'un pas lent, mais décidé, une certaine prestance quand il marche. Un être humain un peu entre deux âges. Bon, il tire plus sur la quarantaine, on va dire. Recouvert d'armure, une simple coiffe qu'il remet en arrière quand il se rapproche de vous, une large épée sur le côté, une cape rouge. Il a un symbole doré de la garde en guise de blason. Il sort, il se met au niveau de ses gardes. Il vous salue de la tête. Messieurs, dames, vous venez donc de la part de la guilde? Oui, la guilde des aventuriers, oui. C'est ça. Je suis le commandant Cortas. Vous ne me connaissez peut-être pas, j'ai pris mes fonctions ici il y a peu. J'essaie de remettre un peu d'ordre au sein de la garde, et militairement parlant d'ailleurs. J'aurais besoin de vous pour une chose qui peut vous paraître un peu triviale, mais qui pourtant, à mes yeux, est importante. Est-ce que vous pouvez donc
vous rappelez de la milice qui j'essaie de constituer une milice aux extérieurs des murs d'Arabelle pour y maintenir un peu l'ordre. Et je rencontre quelques difficultés. Pour l'instant, ma tâche principale étant l'intérieur d'Arabelle. Puis-je au moins vous confier son extérieur, au moins avoir quelques informations un peu plus concrètes et droites, un peu plus sérieuses. Là, regarde Rajdato, d'un point de vue tactique, militaire. Également vous rapprocher de la population et prendre éventuellement leurs avis, leurs doléances. Là, il y a plus Annie et Sylvias. Il a l'air dubitatif en regardant. Et je compte sur vous pour m'en faire un rapport, ne serait-ce que oral, à la fin du jour. Ou demain. Est-ce que cela est dans vos cordes? Excusez-moi de d'interrompre pour le coup, mais il y a que moi qui entends des coupures au niveau de l'audio ou c'est normal? Non, c'est vrai. Nico, tu coupes. Je coupe. Ouais. Ça coupe pas mal. Je t'avoue que j'ai entendu au quart le discours du capitaine. Donc, je me demandais si c'était moi depuis tout à l'heure, mais. Non, c'est une personne. Je vais modifier le setup. Ah bah bravo la préparation, hein. Eh, les aléas du direct. Alors, ça a commencé à devenir pas fluide, à quel moment? Quand le général a parlé, on va dire. C'est ça. Quand j'ai commencé à parler, quoi. C'est ça. Ah, c'est super, alors on va la refaire. Hein. On a compris, voilà. On a compris l'idée générale, hein, mais certains mots à couper. C'est ça. Donc, le commandant Cortas, ça vous l'avez vu. Ouais. Ouais. Donc, le commandant Cortas donc, vous dit j'ai été mis donc, à cette place récemment. Je dois mettre de l'ordre effectivement dans les effectifs de la garde, mais je rencontre quelques problèmes de la ville d'Arabelle, dans les habitations aux alentours. J'ai décidé de constituer une milice. Cela pose quelques soucis et je manque d'informations. Donc il me faudrait un rapport militaire et tactique. Là, il regarde Rajdato. Il regarde Anil et Sylvias en disant « J'ai besoin également de l'avis, également de la population ». Il reste dubitatif, par contre, quand il regarde Anoulou. Est-ce que c'est donc dans vos cordes de faire un recensement, des choses à faire, à prévoir, et vous pourrez me faire un rapport, ne serait-ce que oral, avant la tombée du jour ou demain matin? Oui, ça devrait être faisable. Ça devrait le faire. En théorie, rien de très compliqué. Lorsque j'ai pris contact avec votre guilde, on m'a demandé donc de vous rémunérer une pièce d'or par personne. Je pense que c'est un bon salaire pour une collecte d'informations. Deux. Une, ça va très bien. Non. Et le commandant tique sur... Joker. Bien, soit. Je compte sur vous, donc. Il vous fait un signe de tête. Je lui rends le signe de tête. Ouais. J'imagine que vous vous éloignez. Exact. Bah ouais, exact. On va commencer à y aller. Et par contre, vous entendez tous un instant. Un quoi ? Il dit, le commandant, un instant. Puis-je vous parler une seconde ? Oui. Et il s'est adressé à Joker. Ah, très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Puis-je m'entretenir quelques instants avec vous ?
Très bien. C'est à propos des pièces d'or. Non. On reste. Ah. Il fait quelques pas à l'intérieur de la caserne. Je l'accompagne. Hein. Mm-hmm. Je fais au revoir aux autres. Donc, il va s'entretenir avec toi. Vous en faites pas, ça va pas durer longtemps. Bah, on va l'attendre, quand même. Mm. De toute façon. C'est cocasse, hein, comme énergumène. Vous connaissez bien la région ? Un petit peu. Pour ma part, ça fait quelques semaines que je suis dans cette ville. Les alentours sont plutôt sécurisés. Comment comptez-vous organiser ceci ? Faisons-nous un tour des murs extérieurs, allons plus loin ? Bien, je pense que en premier lieu, pour ma part, je vais sûrement faire un tour de ronde le long des murs extérieurs, et si je croise des casernes, enfin des avant-postes de garde, j'irai leur poser quelques questions par rapport à leur infrastructure et leurs moyens humains et matériels. Me semble qu'il voulait un rapport tactique. Ouais. Il faudrait voir en fait d'où pourrait venir peut-être une menace. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que si je voyais des avant-postes, j'irais à leur rencontre. Il y a des satans en dehors de la ville, vous avez des rumeurs. Vous en avez entendu parler ou pas ? Des rumeurs ? Je suis en ville depuis peu. Oui, non, mais... Il y avait des satans en bord. Oui, tu es là, Joker. Joker, votre entretien s'est-il bien passé ? Tu peux voir c'est très visible. Hein. Il y a un léger trait de colère sur le visage, mais en même temps, il y a la nonchalance habituelle. Oui. J'ai cru vous entendre parler de Saltimbanque. Oui, il y a des rumeurs. Disons, il y a un cirque en dehors de la ville. Il y aurait eu Ça tombe très bien, c'est le mien. Ah bon? Vous faites partie d'une troupe de cirque. Absolument. Et quelle est votre spécialité ? Bien d'autres, mais à quoi ça servirait que je vous le montre maintenant ? Autant les découvrir. Un petit cacheté dans le groupe. Ça promet des surprises. En passant, je lui mets une main aux fesses. Ah ! À qui ? À Rajdato. Ok. Alors, quand même vous avez de très belles mains, vous allez les garder là où je peux les voir. De quoi vous parlez ? Allons-y ! On parlait à quelque... J'hallucine ! Ce long moment de silence gênant. Et étant arrivé depuis peu en ville, je vais vous faire confiance sur la marche à suivre. Je vous suis. Bon, on va se diriger. Je propose qu'on se dirige vers la porte. Vers la porte ouest. Est. Ouest. Donc le commandant, lorsqu'il a évoqué donc les habitations extérieures au mur. Bien sûr, c'est sur, on va dire, à une distance d'un kilomètre ou deux autour d'Arabelle, effectivement. Il y a une sorte de couronne qui est des fermes, des corps de ferme, des champs, des éleveurs, des habitations, ce genre de choses. Bien sûr, la ville fortifiée, ce n'est pas que
que la Arabelle. Hein. Bien sûr, ça s'étend tout autour. Donc, vous prenez direction donc porte extérieure, ouest, c'est ça ? Non, est, pas, est, pardon. Est, ouais, est. Et donc, vous marchez quelques temps donc, sur cette route où, effectivement, il y a quelques chariots, des brouettes qui viennent. La ville est vivante, hein, bien sûr. Vous vous éloignez un petit peu donc, du mur d'enceinte. Vous voyez donc que Anil, tu vois ta panthère effectivement qui vient de sauter dans un fourré et qui revient à côté de toi. Ouais, elle est contente d'être dehors. Voilà, elle est contente d'être dehors. Hein. Et Rajdato, tu peux voir aussi que ton cheval est bien content d'être à l'extérieur également. Tu m'étonnes. Il y a un beau temps, quelques nuages plutôt blancs. Assez rapidement, vous voyez deux personnes, un homme et une femme, assez jeunes, doivent avoir 17, 16 ans, à vue de nez, ils n'ont pas la vingtaine. Hein. Tous les deux ont un casque en métal assez grossier sur la tête, un surcot avec un symbole de bouclier sur la poitrine. Le surcot a l'air neuf. Par contre, ils tiennent assez mal leur attirail, une épée en travers de leur baudrier. Ils tiennent une lance, mais pas de la bonne façon, on va dire. On va dire que le pic est en bas. quand ils se déplacent, ils ont l'air de l'utiliser comme un bâton. Et ils sont en train... pas de se chamailler, ils discutent un peu à voix haute, et puis bon, ça a l'air d'être des adolescents, quoi, en fait, Quentin. Et bien sûr, ça éveille en vous, effectivement, un sentiment de... qui vous alerte pas, mais c'est, voilà, c'est pas commun de voir ça. À vous de faire les déductions que vous... ils sont sur le chemin. On sait à peu près à quel âge ils sont, qu'ils recrutent les compagnies ou pas. La garde de la ville, généralement, ouais, c'est dans ces eaux-là, quoi. C'est l'emblème de bouclier, c'est l'emblème de la garde. Alors, il y a un air, effectivement, ça a l'air d'être un symbole légèrement différent, mais... Ça sent la contrefaçon. Non, c'est la milice. Voilà, c'est une milice. Ouais, c'est un peu plus allégé, on va dire. Ouais. C'est moins développé, moins beau, moins ciselé. Ça peut être une maison, c'est ça ? Symbole d'une maison ? Non, c'est un bouclier. Oui, mais le bouclier. Ils ont un bouclier, leur symbole, c'est un bouclier. Eux-mêmes n'ont pas de bouclier, d'ailleurs. C'est cocasse. Et donc, vous voyez approcher, ils sont un peu les yeux un peu écarquillés en voyant ça. Hétéroclite. Bonjour. 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 Donc, la jeune demoiselle se met un peu plus derrière le jeune homme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour votre service ? Nous faisons partie de la milice. J'éclate de rire. Vous sembliez avoir une discussion assez rythmée. De quoi cela en retourne ? On se demandait par où il fallait commencer en fait notre ronde. Eh bien, commencez d'ici. Si votre ordre est de juste patrouiller. Oui. Dites-moi, mon bon seigneur. Il s'adresse à Rajdato. Vous faites partie d'un ordre de chevalier, vous ? Moi, j'aimerais bien devenir chevalier. Je fais partie de la guilde des aventuriers. Ainsi que mes compagnons ici présents.
Et là, il y a le visage de la jeune fille qui est derrière, qui se tourne avec son casque qui est mal attaché, qui tombe un peu, le rattrape. Ah, c'est eux, c'est eux. Je vais descendre de mon cheval, je vais m'approcher d'eux. Ils ont des yeux écarquillés, pleins d'étoiles. Et je vais sangler leur casque. Je vais sangler leur casque et remettre leur épée en place. Mmh. Et je vais leur dire, et vous lance la pointe vers le haut. Comme ça, si vous devez vous en servir dans l'urgence, vous êtes déjà prêt. Ah bah, merci, hein. c'est gentil. Notre sergent instructeur, il n'a pas eu le temps de nous dire tout ça. Si c'est nouveau pour vous, c'est normal que vous fassiez des erreurs. Hmm. Ça fait longtemps que vous êtes engagé, Annie. Ça fait une semaine. Et la jeune fille derrière fait 3 jours. Alors apparemment on est les premiers à avoir été recrutés. Ouais, je voulais devenir garde tout de suite, mais ils m'ont dit que je ferais partie de la milice d'abord. Alors... Vous avez entendu des rumeurs par ici ou pas pendant vos trois jours? Des rumeurs? Quel genre de rumeurs? Bah, je vois pas, des choses inhabituelles, Rebel. Ouais, eh bien, la mère Michel qui a perdu son chat, mais... Oui, ça, c'est tout le temps. Et la jeune fille attire sur la manche de son camarade. Dealer! Ah oui, oui. Vous voyez les deux fermes, là, qui sont mitoyées. On a entendu beaucoup de bruit par chez eux et on a essayé de faire de la méditation. De la quoi? Hein? De la médiation, je vois. Ouais, médiation, c'est ça. Ouais, oui. C'est ça. Et... Donc, les voisins, ils s'entendent mal. Et apparemment, vu au bruit qu'ils font encore aujourd'hui, ça c'est pas vraiment réel. Ah. Ils sont loin, les deux femmes, là? Ouais, oui, ils sont... sont à 50 mètres. Ouais, c'est de vaches volées ou je ne sais quoi. Ouais, on a un petit peu peur que ça s'envenime, quoi. Vous comprenez? Ça a l'air d'être du sérieux. Mais ils ne nous ont pas écoutés. Bon, on va faire un tour là-bas. Vraiment... Attendez, on est vraiment là pour ça? Oui. On va se coucher. Est-ce que quelqu'un d'autre peut pas le faire? Ou alors, est-ce qu'on ne peut pas se diviser? Je ne pense pas que le 5 aventurier soit vraiment nécessaire pour... Oui, nous allons nous séparer. Je pense que ce serait un peu plus efficace. Ouais. Jeune Jean, qui était votre sergent instructeur? Goldur. Goldur, d'accord. Il paraît que c'est le pire sergent instructeur qui soit. Ah. Un sergent instructeur sévère n'est pas forcément mauvais. Il a pas dit qu'il était sévère. Après, on a vu au bout de 3 jours, s'il est pas là, c'est pas un super. Vous entendez une... Le bruit caractéristique d'un homme d'un certain âge qui commence à hurler de colère, et ça provient effectivement du corps de ferme qu'on vous a. Et vous le voyez, hein, vous avez un bon champ de vision. Il tient une hache dans la main. Je cours, Pico, en la direction. Apparemment, Anil commence à s'élancer dans cette direction. Eh ben, c'est sérieux. Avec une vitesse assez déconcertante pour quelqu'un de sa constitution. Voilà. Bien sûr, ma panthère me suit. Oui, bien sûr. Et quand...
Quand j'arrive à son niveau, j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe exactement. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Je reste avec les gosses. Ouais, pour l'instant, je vais juste observer. D'accord. En revanche, je vais dire aux jeunes cadets, hein, finalement. Vous devriez rejoindre, histoire d'apprendre. Ah ouais, vous avez raison. Et ils commencent à prendre leur attirail, ils se tiennent un peu, ils soutiennent leur épée pour éviter que ça ballotte, et ils commencent à courir en tenant l'asque à moitié avec leur lance. C'est assez ridicule en voyant ça. Nulu, qu'est-ce que tu fais? Je dois avouer que je sais pas quoi dire sur le moment. Tu pourrais soupirer si tu étais capable de le faire, c'est ça? C'est... voilà. C'est... Et Sylvias, tiens, d'ailleurs, Sylvias, tu peux distinguer qu'il y a un vieux chien à côté de ce paysan qui aboie. Qu'est-ce que tu fais? C'est habituel que la guilde s'occupe d'une affaire de vol de vaches. J'en ai pas la moindre idée. Entre fermiers. Non, cependant, je ne doute pas que dans la guilde, il y a quelques... bonne patte, n'hésite pas à aider leur prochain. Et nous n'allons pas laisser notre compagnon seul. Pardon ? N'allons peut-être pas laisser notre compagnon seul. Anil, pendant ce temps, bien sûr, tu as fait une grande avancée, bien sûr. T'es quasiment arrivé au niveau donc de ce fermier en colère qui a un certain âge. Tu l'entends vociférer tous les noms possibles d'insultes. Voilà, je vais pas te les retranscrire. Il tient sa hache à l'envers, c'est-à-dire que le côté tranchant est... Et de toute façon, tu vois que c'est une hache pour couper le bois, mais il la tient, il la gestule, mais il n'en fait rien d'autre, visiblement. Mais il a l'air bien énervé, hein. Il est tout rouge, il a les veines sorties. Tu constates aussi que le chien aboie sur lui autant qu'il a vers la ferme vers laquelle le vieux est tourné. Oui, c'est pas possible, ça va pas se passer comme ça, il y en a marre. Mon bon vieux monsieur, essayez de vous calmer, s'il vous plaît. Mais vous êtes qui, vous? Je fais partie de la guilde des aventuriers d'Arabelle. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Là, tu vois qu'il y a la porte de la ferme qui s'ouvre. Et tu vois donc qui sort de là une jeune femme... enceinte, et elle tient un sabre dans la main. Et elle a l'air tout aussi furieuse. Ha ha, tu fais moi le Mariel maintenant, hein? Hein? Vieux schnock! Juste une question, le sabre il est à l'envers ou à l'endroit ce coup-là? Il est à l'endroit, mais il a l'air assez vieux, relativement rouillé. Et moussé? Un peu, ouais. Et mais elle reste sur le bas de la porte. M'importe, pour l'instant, elle réagit comment par rapport au... Et ouais, au chien? Elle a les oreilles baissées en regardant le chien. Elle se tient prête à agir. Donc ça s'engueule. Essayez de vous calmer, messieurs, mesdames, s'il vous plaît. Fais-moi un petit jet de charisme, s'il te plaît. Ouf. avec ses paroles. Mais j'aime telle aura. Pour pauvre. Mais d'une intensité telle. Que enfin le chien cesse d'aboyer, déjà ça fait beaucoup moins de bruit. Ta pontère dresse ses oreilles,
Dans son élan, le vieillard arrête de gesticuler, comme interloqué par le fait que tu as demandé essayer de vous calmer, s'il vous plaît, quoi. Et la femme enceinte, elle baisse la main et son sabre du même coup. Et ça fait comme un gros silence à ce moment-là. Les autres, est-ce que vous vous êtes rapprochés ? Je me rapproche de la scène, moi, oui. Pour pas laisser Annie tout seul. Mm-hmm. Plus qu'autre chose. Je m'approche aussi. Mais je me retiens de rire, j'ai la main sur la bouche. Est-ce que Anoulou reste figé dans son incompréhension ou est-ce qu'il surmonte son bug système? Il redémarre. Il va falloir quand même comprendre ce qui se passe par ici. Je suis un peu le groupe. Ouais. D'accord. Pour le coup. Et rage d'ato. Je voulais pas m'en mêler, mais je vais pas rester seul. Hein. Je vais m'approcher aussi. Bon, allez, rage. Donc, effectivement, au moment où vous arrivez, ça s'est calmé. Sorte d'injonction que vient de faire Anil, mais tout en douceur, a fait retomber la pression. Et Anil, ouais, tu es dévisagé à la fois par ce vieillard et cette femme enceinte. Mais qui c'est qui va me rembourser ma... Mais je l'ai pas pris, cette avale. Et ça soupire. Si je comprends bien, il y a une vache qui a disparu, c'est ça? Ouais, ma vache. Et elle était où? Mais deux vaches, il m'en reste plus qu'une. Il y en a bien une qui a disparu. Et là, il monte du doigt son enclos. Où effectivement, il y a une vache qui a regardé un peu la scène en mastiquant. Cette image, putain. Et pendant que le chien renifle... à la venue des nouvelles personnes. D'ailleurs, le chien, il se rapproche un peu de Sylvia s'il lui renifle les bottes. Je me penche et je caresse doucement le chien. Il a l'air affectueux. C'est un vieux chien. Moi, j'observe la scène, j'ai envie de voir justement les aventuriers expérimentés. Comment ils vont résoudre la situation. Parce que moi, je suis une jeune recrue, donc. Moi, je fais des papouilles aux chiens aussi, comme ça. J'avais bien peur que ce soit le cas. Sérieux. Par contre, les deux jeunes sont venus aussi avec nous. Oui, mais ils sont un petit peu derrière. Ils observent. Ils n'osent pas intervenir. Je regarde vite fait l'enclos s'il n'y a pas un truc qui me saute aux yeux. T'inspectes, d'accord. Fais-moi un jet de sagesse. Les autres, qu'est-ce que tu fais ? Je vois pour discuter avec le fermier. Oh là là, c'est génial. Enfin, je suis désolé, on n'est pas du tout au courant de cette histoire. On vient d'arriver. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce qu'apparemment, vous êtes énervé pour une bonne raison. Il a l'air un peu décontenancé en te voyant. Il a l'air d'avoir peur. Je suis là pour aider. Ce matin, je me suis levé, mais il me manquait. Et je suis sûr que c'est elle qui me l'a prise. Et qui êtes-vous, madame? Donc, elle dit, moi, je suis une pauvre veuve. Hein, simplement, j'ai perdu mon mari,
à la guerre, un fort rempart, et j'essaie de survivre, tout simplement. Et le coup du sort a fait que je suis à la voisine de cette énergumène. D'accord. Pourtant, moi aussi j'ai perdu des bêtes, hein, mais c'est pas pour autant que je l'accuse. Hein. Il me manque trois poules. Vous avez perdu des bêtes et vous avez aucune idée de ce qui a pu en arriver à ces poules ou... Ah bah une fouine, je ne sais pas. Possible. Ouais, Il n'y a plus d'adhérents habituels. Elles ont disparu quand ces poules? Bah je pense dans la nuit, oui. Alors la veille? Ah, ce matin, elles n'y étaient plus. Hier soir, elles y étaient. D'accord. Et là, je vais garder... Mais... C'était mes dernières poules, hein. Ah. J'en avais cinq, hein. Ouais. Je vais garder le fermier. Je vais lui faire... Voilà. Pourquoi aurait-elle volé votre vache alors qu'elle-même a perdu ses poules? Certainement pour se venger. Pourquoi? Vous avez quelque chose à vous reprocher? Non. Allons. Doute. Oui, X doute. La dame enceinte, la femme enceinte dit ouais, pommier, hein, qui se trouve entre nos deux terrains. Hein. On en parle de ce pommier? C'est le mien. C'est mon mari qui l'avait planté. Il est sur mon terrain. Et ça recommence. Anil, tu fais le tour de l'enclos. Tu remarques donc les traces caractéristiques d'un animal qui est élevé dans un enclos. Une seule ouverture. Tu regardes au sol pour voir s'il n'y a pas de trou qui a été creusé, ce genre de choses. Rien. Et puis au moment où tu te dis, bon, bah, c'est certainement pas un animal sauvage qui est venu ou un ours, ou, tu remarques qu'il y a un marteau dans une touffe d'herbe. Juste à côté de l'ouverture de l'enclos. Et c'est tout. Et si, il y a la vache qui te regarde. Bon, on apporte d'ailleurs. Moi, on m'avait parlé de Dracoliche et autres. Ouais. Donc, je prends le marteau, Kiko. Oui. Pour montrer au fermier si c'est à lui ou à la femme. Pour leur demander si c'est à eux. Un marteau. Ah non, j'ai un marteau, mais c'est pas à moi, ça. Et la jeune femme enceinte, elle dit « Non, moi j'ai dû vendre le dernier marteau de mon mari, justement, pour acheter un peu... je crois que j'ai acheté... J'ai pas du pain avec, mais non, j'ai plus de marteau. Moi, je me penche vers Joker, vu qu'il est à côté de moi. J'ai l'impression que la réputation des aventuriers d'Arabelle a l'air très surfaite. À de fortes chances, en fait. Je commence à penser qu'en fait, c'est des imposteurs. Peut-être. Est-ce que j'entends ça? Non, je chuchote. Hein, ouais, je chuchote, hein, mais bon, je pense que vous voyez qu'on chuchote tous les deux avec un regard un peu circonspect. On caresse le chien. Ouais, tout en caressant le chien. Hein, on est tous les deux accroupis, en fait. Et le chien kiffe, hein, effectivement, il est bien content d'être caressé et de cajoler. Excusez-moi, vous êtes vraiment aventurière d'Arabelle? Je vais retourner les yeux écarquillés. Si c'est une question, c'est... Enfin, pas de, d'offense. Pas hein. Plus, on n'est pas les plus gradés. Voilà, exactement. Et pas les plus... Dame Anil, puis-je voir ce marteau, s'il vous plaît? Oui, je te le présente.
Mm-hmm. Donc il est recouvert de, il est recouvert de terre, hein, puisqu'il a été. Je regarde un petit peu, est-ce qu'il y a une manufacture un petit peu particulière, justement Alors, le manche est renforcé de cerclage en métal. Visiblement, c'est du bon bois. Tu retires la terre, toi, tu grattes, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Tu vois une tête carrée, stylisée, avec des yeux ronds, un gros nez, une barbe sculptée grossièrement. La tête avec un rond qui est au centre du triangle et il est de chaque côté du marteau. Est-ce que c'est un marteau usagé qui a déjà servi. Est-ce que ce sigle me dit quelque chose par hasard ou c'est vraiment la première fois que je le vois? Non, c'est la première fois que tu le vois. Ça a l'air d'être de la manufacture naine et pas n'importe lequel. Il a quand même été gravé de chaque côté. Ce n'est pas un marteau ordinaire que vous avez trouvé dans la Manila. Ce sera les nains qui m'ont piqué ma vache. Nous n'avons pas dit ça. On a dit que ça venait de chez... Ça a été fabriqué. Nuance. Impossible quand même. Il y a de plus en plus de nains. Enfin, c'est ce que j'ai pu voir à proximité de nos quelques caravanes. Il y a de plus en plus de nains... proche d'Arabelle. Et souvent, ils sont avides d'or. Sans doute. Ils ont dû entendre la réputation des aventuriers. Ah. Peut-être. Il y a des nains dans la compagnie, si vous voulez. Ah, je n'en ai pas vu. Je peux jeter un coup d'œil au marteau ? Je vous en prie, maître Anoulou. Je lui tends le marteau. Donc Anoulou, tu remarques que c'est pas une arme de guerre, hein, c'est un véritable outil. Oui, il me semble que je sais lire et écrire le nain. Est-ce que il y a des inscriptions particulières sur ce marteau? Il n'est pas gravé de runes, mais puisque tu écris, enfin tu parles. T'as des affinités avec la langue. Oui. Sylvia, tu ne maîtrises pas le nain, non? Non. Ah, non. Donc Anoulou, effectivement, si tu connais la culture naine, oui, ça a l'air d'être un marteau vraisemblablement de tailleur de pierre ou de mineur ou quelque chose dans ce goût-là, quoi, d'artisan. D'accord. Où l'avez-vous trouvé, Damanil, ce marteau? À l'entrée du... De l'enclos. Je vais là où il m'a indiqué. Donc c'est une touffe d'herbe où tu as effectivement l'empreinte du marteau, hein, visiblement. J'essaie il a été enfoncé un peu dans la terre. Je cherche des traces aux alentours. Je cherche voir si justement à cet endroit-là, la rambarde n'a pas été endommagée, réparée, enjambée peut-être éventuellement. Et je regarde des traces aussi au sol. Je l'accompagne hein, sur le coup. Alors, un premier jet pour l'ouverture de l'enclos, que ce soit de l'observation, du pistage, si vous n'avez pas, bah, sagesse. Ça va être sagesse. Ça peut être. Je fais un petit 14. Ça s'en fait un aussi ou... Je peux pas mettre de la survie, ça marche ou pas Alors, ça sera pour le pistage, mettre de la survie, je pense. Il me semble. Hein. Alors, Sylvia, l'ouverture de l'enclos, c'est une simple charnière, un battant qui se referme. Ça a été cassé, rien de chose. Un truc de ferme, quoi. Tu vois pas plus. Plus. Par contre, Joker. Tu remarques que ça a été forcé. Pas avec un marteau, mais par contre, ça a été forcé dans un encart, certainement avec un appelle ça déjà top de un burin. Un burin, voilà. Un burin. Avec un burin. Pas très gros, hein, juste ce qu'il faut.
Et pour casser le truc assez net, faut avoir de petites mains. Hein. Ou alors, si... Du coup, genre, je le partage. S'il me partage ça, je... Ouais, je sais pas, le partager. Et du coup, je rebondis en disant, et donc, il est fort possible que ce soit les nains. Ils ont des toutes petites mains. Oui. Des nains, très mauvaises pour... Des mains fourbes, souvent. Exact. Donc, pour le pistage, vous pouvez me faire un jet de sagesse. Et effectivement, maître de la survie rentre dans ce cas de figure-là. Non, je ne vois rien de particulier, oui. J'imagine. C'est pas moi. Moi, je vais pas maître de la survie. Alors effectivement, là où on peut voir des traces de chiens, les traces d'un homme, des allers-retours, les intempéries, ce genre de choses, on ne voit pas, Anil, tu ne vois pas de traces de sabots, de vaches. Par contre, quand tu t'éloignes un peu de l'enclos, comme si tu faisais mine de repartir de l'enclos, tu passes un petit fourré et tu vois que l'herbe est couchée sur une vingtaine de mètres. Il y avait une charriote ou un truc comme ça ? Non. Non. Comme si la vache a été tirée. Traînée ? Traînée, ouais. Donc vous voyez, c'est un peu écarté. Avez-vous trouvé quelque chose, Damanuel ? Oui, à première vue, la vache a été traînée ici. Traînée. Bah, venez voir. Non, mais par contre, ce que je fais, c'est que je... Du coup, je rentre dans l'enclos et je cherche des traces de sang. Tu rentres dans l'enclos, c'est un peu gadoueux, hein. C'est pas quelque chose qui m'arrête. Ouais, ton ponce dans la boue, dans la gadoue. Et jusqu'à ce que tu poses le pied vers là où dorment les vaches, c'est probablement là où il y a un peu de paille, en y allant, à mi-chemin, ton pied s'enfonce un peu plus. Tu retires ton pied et tu vois qu'il y a de la gadoue et ouais, c'est bien du sang qui est en dessous, quoi. En fin de compte, il y a de la boue qui a été raclée et un petit peu mise sur l'endroit pour que le sang soit un peu imbibé par la terre et la boue. Mais bon, de la boue, c'est déjà gorgé d'eau. Hein, donc. Je ne dis rien à voix haute. Et je rejoins... je pense que Joker et Anil doivent être très très loin, eux. Et je leur dis, à voix assez basse, en tout cas pour pas que le fermier l'entende, il y a des traces de sang là-bas. A priori, on a blessé ou tué la vache et ensuite on l'a traînée en dehors de l'enclos. D'où l'absence de marque. Et on aurait essayé de masquer ces mêmes marques. Non, je pense pas que la dame de enceinte serait capable de tirer une vache, j'en doute fort. Oui, déjà, la poule à tuer. Vu son état de. Elle doit être à peu près à 7 mois, là, Kiko. Ouais, facile. Ouais, vous êtes une perspicacité déconcertante. Elle est bien ronde, en effet. Donc, t'imagines si la vache lui fonce dessus au moment de la tuer, ça lui aurait fait pas du bien. D'ailleurs, elle est re-rentrée. Chez elle. C'est assise chez elle, apparemment, quoi. Elle a pas refermé la porte, elle a laissé un peu entrouverte. Elle a, ceux qui étaient restés dans le coin, vous l'avez vu, elle a eu une contraction et elle est retournée s'asseoir. Dame Anil, seriez-vous capable de remonter cette piste, a priori, que vous avez réussi à trouver ? Oui. Avec l'aide de ma pantalon, je suis capable, oui. Du coup, voir Rajdato et Anulu, qui eux étaient peut-être restés proches de l'entrée de la ferme.
Jordia à voix basse, c'est ce que nous avons trouvé. Nous avons remarqué des traces un petit peu plus loin. A priori, l'enclos a été forcé et j'ai trouvé des traces de sang. On aurait traîné cette vache. Je sais que peut-être que c'est en tout cas pas là forcément la gloire que nous sommes tous venus rechercher, mais tout ceci est intriguant. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous-même. Je lui montre le. Je montre à Sylvias le manteau et je lui dis ce que j'en ai déduit. C'est un marteau de tailleur de pierre nain. Tailleur de pierre. Voilà. Personne. Je suppose que le reste du groupe a suivi la piste. A priori, Damani a trouvé une piste, donc nous allons les rejoindre. J'évite de parler trop fort pour éviter que le fermier à nouveau s'énerve pour rien. En tout cas, il est clair que cette femme, elle avait de tout soupçon. Je l'imagine mal traînant une vache elle-même. J'ai en informé les fermiers et nous vous rejoins. Perso, je vais regarder le fermier, je vais lui faire dans la nuit. Vous n'avez pas entendu des bruits étranges comme des autres vaches qui se débattent simplement d'avoir été volées. J'ai dormi à point fermé. J'ai peut-être bu un verre de vin ou deux. Voilà. D'accord. Il n'y a pas de mal à ça. Hein. Non. Écoutez, monsieur, votre nom, s'il vous plaît. Le Gordule. Eh bien, soyez rassuré. La guilde des aventuriers va mener l'enquête sur la disparition de votre vache, et nous n'hésiterons pas à revenir vers vous si nous avons plus en plus d'informations. Vous m'envoyez ravi, je suis bien content. Vous pouvez vous calmer, rentrer chez vous, vaquer à vos occupations, et nous pouvons vous dire une chose. Votre voisine n'est pas responsable de ceci. Malgré ce que vous pouvez croire, croyez-en mon expérience. Je suis bien embêté. Je vous pourrais, peut-être, en lui donnant quelques victuailles ou autres, vous faire pardonner auprès d'elle pour les accusations à tort que vous lui avez données. Je pense que ce serait un geste, en tout cas, très serviable de votre part. C'est dur à entendre, mais je crois que vous parlez avec de bonnes et sages paroles. Je vais faire ça. Monsieur. Il commence à... Il vous salue et retourne dans l'air tout penaud. Tandis que le chien regarde son maître. Et puis, je pense que je fais une dernière caresse au chien en lui disant... Mm-hmm. Langage animal, occupe-toi bien de ton maître. Et on rejoint Joker et Anil. Il te répond, fais attention à ta meute. Trop bien. Bien sûr, hein, y a que ceux qui savent parler aux animaux qui peuvent l'entendre. Hein, bien sûr. Ah, mais Anil était peut-être un peu loin pour l'entendre, je ne sais pas si... Non, mais je ne parle pas aux animaux. Ah, bon, voilà. Je parle quand même à panthère. Alors, quand il dit ça, tu as vu quelque chose ? Senti quelque chose ? Odeur bizarre. Comme quand j'ai poursuivi une chauve-souris, ça sentait pareil. Froid, l'odeur de la pierre.
Très bien. Merci, mon compagnon. Il te lâche la main et retourne voir son vieux maître. Je pose une question à autre caractère, vite fait. Ça ressemble à quoi, en fait, un druide qui parle avec un animal? Je pense que ça doit plutôt être mental, j'imagine. Ouais. Oui, puis le chien va juste pousser quelques couinements, bouger un peu ses oreilles, avoir des yeux très expressifs. C'est un langage tout aussi corporel que, ouais, que... quasi inconscient, quoi. C'est pas un échange de waf waf, quoi. C'est pas ça. Même si la scène aurait pu être très drôle. Incroyable. Du coup, quand ils approchent, je dis... Et donc, c'est pour ça que tous les nains sont des voleurs aux miniciens. Chacun a le joker, je vais faire... C'est là... fou. Et là, ils sont... les deux miliciens hochent la tête, ils font... Viens, allons les arrêter. Je pense que j'ai une mission de la plus haute importance pour vous, jeunes miliciens. Ah, là, ils ont les yeux pleins d'étoiles. Nous avons peur que peut-être ces chapardeurs de vaches reviennent dans les environs, et il serait de bon aloi de surveiller les environs pour ne pas qu'ils reviennent. Et je pense que des miliciens tels que vous, aussi expérimentés et braves, devraient surveiller ces deux fermes. Ils se regardent de concert, ils font... Ouais, y a aucun nain se rapprochera d'ici. Ouais. Méfiez-vous toujours des nains. Mais arrêtez de dire des choses comme ça, enfin. Oui. C'est la vérité. Tous les nains ne sont pas des voleurs. Quelques-uns quand même, une grande majorité. Quelques-uns, effectivement. Mais pas tous. Dites-moi, comment vous appelez-vous? Je demande ça aux miliciens. Moi, je m'appelle Lorraine, c'est la jeune demoiselle. Et l'autre dit Kenten. Attends, quoi? Kenten. Eh bien, voilà. Merci beaucoup de nous avoir aidés. Et donc, ils ont le torse bombé. Ils ont poste fièrement leur... devant ses fermes, pendant que Anil a progressé un peu dans les fourrés de champs au niveau de l'herbe couchée, et là il y a qui s'arrête et qui revient un peu en arrière et qui passe une patte sur son museau, et toi tu arrives à son niveau et oh là, effectivement là, ah, ça sent mauvais. De l'urine. Ouais, c'est... Effectivement, là où l'herbe couchait, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a uriné ou quelque chose qui a uriné, et ça sent fort. J'imagine qu'on rejoint Neil à peu près à ce moment-là. Ouais. Tout à fait. Oui, vas-y. Ah bah j'allais juste dire qu'avant de partir en fait, avant de quitter les deux miliciens, un peu plus loin j'aurais sûrement crié « Eh, méfiez-vous !» Des nains. C'est peut-être pas forcément des nains. C'est des nains. Je leur barre de la main comme ça. J'attends qu'ils soient vraiment, vraiment suffisamment loin pour pas entendre ce qu'on dise à voix normale et ouais. je regarde Joker. Joker, plus jamais je vous laisse seul avec des gamins, vous m'entendez? D'accord. Bon courage. Ouais. Alors qu'il travaille dans un cirque, cela va être difficile. Ça va être super dur. Il travaille dans un cirque, c'est son cirque, si j'ai bien compris. Oui. La piste, elle continue ou elle s'arrête vraiment où il y a l'urine? On va dire qu'au niveau olfactif, ça s'arrête certainement là. D'ailleurs, tu te dis, c'est certainement fait exprès. Mais tu vois que l'herbe couchée continue encore un peu et va derrière un tel
Vous, quand vous arrivez, oui, ça vous agresse un peu les narines hein, à ce moment-là. Hein. C'est... J'essaie de contourner l'odeur. Oui. Un fumée de nain caractéristique. Alors vous allez arrêter avec vos propos. La bière, ça fait pisser, il paraît. Alors. Je vous signale que moi aussi, je bois de la bière. Et pourtant, je ne suis pas un nain. Alors, vous direz, vous, en pointant Jogger, vous direz ce que vous voudrez à votre troupe. Mais, excusez-moi, aux autres gens, vous mesurerez vos propos. Et vous, Silvias, vous ferez de même. Blablabla, bla, bla, autorité d'Arabelle, blablabla. Bla. J'essaierai de m'en souvenir. C'est Joker qui a fait la la la. Ah oui, tout à fait. Alors, je vais lui faire. Je vais le prendre sous le bras. Et je vais l'emmener un peu plus loin. J'aimerais l'esquiver au moment où il veut me prendre le bras. Bah, il fait un pas de côté, quoi. C'est... Bah, ouais. Alors, je vais juste faire. Je voulais vous le dire à huis clos, afin de ne pas gêner votre ego que je devine surdimensionné. Mais vous manquerez de respect à qui vous voulez, mais à celui qui pourrait éventuellement vous sauver les miches dans un combat, vous devriez éviter. Vous savez, je ne connais personne que par leurs actes et pas par leurs dits. Et à ce moment-là, tout le monde peut ressentir quelque chose qui vous traverse. Pour ceux qui ne sont pas habitués, un grand félin comme une panthère qui grogne, ça fait un bruit assez fou. C'est pas très discret, mais c'est assez alarmant parce que ça utilise des infrasons, etc. La panthère de Anil est juchée au-dessus du talus et donc s'est mise à grogner. Je prends mon arc et j'encoche une flèche. Quand elle a fait ça, je sais que ça signifie. Oui, ça signifie danger, clairement. Vous êtes en plein milieu des champs. Hein. Je sors mon arc, lui aussi, mon arc. Perso, je vais dégainer mon épée et lever mon bouclier et je vais me diriger, sans même faire attention aux dernières paroles de Joker, vers l'endroit que pointe la panthère. En vous armant, en vous tenant prêt au combat, vous commencez à vous rapprocher, à éventuellement décrire des arcs de cercle pour avoir une vision un peu plus dégagée par rapport au talus, où il y a toujours cette panthère qui est dessus, et qui bouge sa queue, qui fouette l'air. Elle n'a pas l'air contente. Et au pied du talus, effectivement, il y a une grosse mare de sang. Un peu de chair, un peu de peau de vache noire et blanche, sur un rayon de 3-4 mètres. Mais il n'y a pas d'ennemi. Vous êtes d'une parano, c'est incroyable. Méfiez-vous. Oui, tu l'as. Personne ou la créature qui a été capable de mettre en même temps cet état la vache représente un certain danger. Mis à part quelques morceaux de chair, pas beaucoup, hein, très peu de morceaux de chair, très peu de peau, quelques morceaux de cartilage, mais il y a beaucoup de sang. Pas trace du corps, pas de boyau. Pas d'os, à proprement parler, quoi. Comme si elle avait été ingérée ou vaporisée ou ce que vous voulez. Je remets mon arc en bandoulière, je range ma flèche et je vais observer justement ce qui reste, en particulier les morsures, pour essayer d'identifier la créature qui aurait été capable de faire ça. Ouais, si ça n'a pas été coupé au couteau ou un truc comme ça. Je voulais faire pareil, mais pour ma part, je vais
rengainer mon épée, garder mon bouclier au bras, et voir si le sang... Enfin, s'il n'y a pas des traces de sang qui va vers... vers je ne sais où. J'ai observé aussi si le sang est pas... quel est son état, en fait. Est-ce qu'il est fortement coagulé? C'est d'identifier, en fin de compte, depuis combien de temps ce sang est là. Le sang, ça fait... Est-ce qu'il est encore tiède? Est-ce que... Ça fait pas une demi-journée qu'il est là. Ça fait beaucoup moins que ça. Sur les quelques morceaux de chair et de peau que vous pouvez trouver, il y a des traces nettes de coupures. Tranchées. D'accord. Au niveau du sang, la majorité du sang de la vache doit être à vos pieds, effectivement. Il ne doit plus en rester grand-chose, quoi. Donc, Et au niveau, donc, s'il y a des traces autour, un jet de sagesse. Kiko, j'essaie de calmer ma... Iris en entendant, moi. D'accord. Bah moi, pour l'instant, je regarde pas les traces autour. Mais... Bah, je vais utiliser un point de chance pour le relancer. Terrible. Terrible ! Ah oui, d'accord. Tu es atteint de cécité. Tu remarques des traces. Le point de chance. Kiko, j'ai réussi à calmer la... Oui. Tu calmes ta panthère sans problème. Oui, il y a pas mais... danger. C'est ça que je voulais savoir. Ouais. C'est juste, elle a réagi de façon instinctive. Ouais, c'est le sang qui l'a paniqué, c'est ça, on va dire. Et s'il y a quelqu'un tout près d'Ato, on peut l'entendre murmurer des empreintes de nains. Alors, attends, est-ce que c'est effectivement des petits pieds? Ouais. Oh, les petits pieds. Des petits pieds larges. Vous pouvez trouver quelque chose, Seigneur Ajato. Appelez-moi seulement Rage, je suis loin d'être un seigneur, mais... Des très bien, Rage. De pas. Oui, des traces? Des traces de pas, oui. Je pose mon bras sur son épaule, oui. Je mets ma tête juste à côté, et puis je fais des traces de... Je vais attraper son bras qui est sur mon épaule, et oui. je vais serrer quand même assez fort, et je vais faire des traces de... Pas. Intéressant. Et quel genre de traces de pas? Et j'ai mal, mais j'essaie de pas le montrer, quoi. Ce que je vois, Rictus. Bah je. Oui. On est quand même vachement près. Oui. Ah oui. Enfin, Rictus. Eh bien, des traces de pas, tout simplement. De pas de. Et pendant ce temps-là, donc, alors, les autres. Moi, je vais inspecter les traces qu'il a trouvées, justement. Bah, moi aussi. un jet de sagesse, s'il vous plaît, deux autres. Ouais, c'est des traces de sabots. Oui, tu peux utiliser sur lui. Ouais, de sabots, des sabots de paysans. Ça se voit, c'est en bois, il y a les nervures pour... Elles font quoi? Elles tournent? Ah. Elles sont venues? Elles repartent? Elles vont d'un champ à un autre. Est-ce qu'elles ont l'air plus vieilles que... Oui, elles ont l'air plus vieilles. Par contre, Anil, t'as remarqué quelque chose, c'est que... D'accord. T'as remarqué quelque chose, Anil, c'est que... l'herbe n'est plus couchée. Elle a été donc c'est pas par l'herbe qui apparemment que c'est reparti. Tu regardes à gauche à droite, donc c'est dans un et en bordure du champ là où c'est de la terre retournée. Tu vois qu'il y a comme si c'est de la terre retournée qui a été bêchée, retournée. Okay. Mais en bordure, il y a une partie large d'à peu près un peu moins d'un mètre qui a été aplani. C'est un peu comme si quelqu'un avait
et effacer des traces en faisant rouler un tonneau, si tu veux. Comme un truc dans ce genre, quoi. Ah, non, tonneau, bière. Tout se recoupe. je signale à mes compagnons, peut-être je vois, peut-être j'ai vu, j'ai pas su. Donc vous êtes informé de tout ça. Bah, on va aller voir. C'est... Ah, d'ailleurs, Sylvie, tu as redressé la tête comme ça, et puis tu vois Arabel qui se dessine hein, devant vous. Hein. On sera rapproché d'Arabel. Vous êtes rapproché d'Arabel. Quel côté de la ville à peu près Votre champ de vision, donc c'est là où je ping. Donc okay, vous voyez cette façade-là, hein, de la ville. Côté C'est le mur nord. Là où... voilà. C'est le mur nord, en fait, la carte, elle a été mise de... à l'envers. Okay. Et vous voyez, au pied des remparts, quelques tentes, une cabane ou deux en bois, une petite fumée, et à cette distance-là, ça doit être des nains, qui sont affairés au pied des remparts. Les tailleurs de pierre. J'aurais bien voulu déterrer s'il y avait un truc déterré où ils ont roulé. Non, j'ai pas très bien compris ce que t'as dit. J'aurais bien voulu essayer de voir s'il n'y avait pas un truc enterré où ils ont roulé le tonneau. Tu remues un peu la terre et c'est comme si ça prenait cette direction-là, hein, vers les remparts. Mais c'est tu creuses un peu, c'est que de la terre en dessous. Donc ils ont voulu cacher des traces, c'est plutôt. Ah, c'est une bonne méthode pour cacher ces traces, oui. Et si je vous regarde plus loin, ça continue encore ou pas Ça continue encore, bah ouais. Donc j'essaie de suivre cette trace-là. Bah vous remontez donc cette piste, effectivement. Et donc vous vous rapprochez de plus en plus des nains. Et au bout d'un moment, bah les nains vous repèrent, continuent de travailler, hein, à s'affairer. Est-ce qu'on a encore le marteau ? Je dis ça à votre voix. C'est Anoulou qui l'a, je crois. Anoulou, oui, c'est Anoulou. Vous pouvez me le confier ? Pardon ? Vous pourriez me le confier ? Je peux vous accompagner aussi, s'il vous plaît. Comme vous voulez. C'est les nains qu'on voit, ça, Kiko ? Oui, c'est pour illustrer un peu les nains. Donc là, il y a effectivement un nain qui se lève de son petit siège qui était sous une tente, pendant que les autres vont à leur occupation. Bonjour, qu'est-ce que c'est pour vous ? Bonjour. Bonjour, cher. Nous souhaiterions savoir si ce marteau appartiendrait à l'un de vos hommes. Ah, voilà. Ah bah ça, pour être efficace, la garde d'Arabel est très efficace. Je viens de la commanderie, je leur annonce, on m'a volé des outils, et hop, on m'en ramène. Ah, vous avez trouvé ça où ? Et le reste ? Désolé, mon bon monsieur, mais on fait pas partie de la garde d'Arabel. Non, en fait, nous faisons partie de la guilde des aventuriers. La guilde des aventuriers ? Voilà. Attendez. Suivez-moi. Donc là, il commence à rentrer un peu plus dans le campement, vers une cabane en bois. Et qui frappe. Patron ! Ouais, il y a les aventuriers de la guilde d'Arabel qui sont là. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Je sais pas, mais apparemment, ils ramènent des outils. Ah, fais l'entrée ! Je vous en prie,
C'est notre chef. Merci. Nous gardons le marteau encore quelques temps. Le nain fait signe de tête. Et voilà. Je vais rentrer en tête de ligne. Et je vais faire... Bonjour. Rajdato de la Guilde des Aventuriers. Oui. Je suis le chef de chantier Taille-Pierre. Ah, alors, ma bière était bonne? Quelle bière? La bière du clan des Bois sans soif, la meilleure des bières qui soit, à la Flamme Dragon. Je n'ai pas encore eu l'occasion de goûter cette bière, mais je n'y manquerai pas. Vous avez vendu un panneau? Non, je l'ai vendu à la guilde. C'est pour m'en commander un autre ou c'est pour me ramener mes outils qui ont été volés, que vous êtes là? Non, justement, nous allons parler d'outils. Vous confirmez que ce marteau est bien de votre commande? Faites-moi voir. Ben, je lui donne. Enfin, je signale vous de lui donner s'il le veut encore. Il l'empoigne, il le soupèse, il regarde. Ouais, c'est bien nous, ça. Tout un lot de nos outils qui nous ont été chapardés. Très bien. Alors, vous avez coincé ces voleurs? Non, justement, on est sur leur piste, car ces voleurs ont visiblement, si ce sont les mêmes, également volé une vache et trois poules. Et votre marteau... Une vache et trois poules. Et votre marteau, justement, a été trouvé dans la ferme où résidait dite vache. Ah, les sagouins! Merde! Où sont stockés vos outils qui ont disparu? Dans la cabane d'à côté. Je vais vous montrer. S'il vous plaît. Il s'avance. Hein. Donc vous voyez qu'il c'est un nain assez riche, assez âgé, pas mal de cicatrices sur lui. Sur de lui, il a l'air vraiment renfrogné. Donc il sort. Il gueule deux, trois en ordre en nain. Pour ceux qui comprennent le nain, il vient de dire... Rangez-moi ce camp, bande d'abrutis, que ça soit propre, on a de la visite. Arrêtez de glander, il a l'air un peu vindicatif. Et il sort une grosse clé et il commence à ouvrir le petit cabanon qui est à côté, qui est juste sa cabane. Il enlève le cadenas, il ouvre, et vous voyez effectivement des pelles, des pioches, avec le même blason visible sur chaque outil, et il y a des caisses à outils qui sont bien rangées, bien calées. Vous voyez un marteau, un burin, un petit burin, des pioches, des maillets, tout ce qu'il faut pour les outils. Vous voyez effectivement, il y a l'emplacement pour mettre au moins 4 caisses, mais c'est vide. Voilà, c'est là où on fait le magasin des outils. Il y a d'autres issues à part cette porte dans la cabane? Là, comme vous pouvez le voir, j'ai refait le plancher parce qu'ils sont passés par en dessous. Ils ont creusé par en dessous, ces enfoirés. Des vrais taupes. Est-ce qu'il y a d'autres camps nains aux alentours d'Arabelle? Pas à ma connaissance, jeune bariolé. Vos hommes, est-ce qu'ils ont agi... Enfin, non, je reformule ma phrase. Vous n'avez rien remarqué d'inhabituel, comme des hommes qui seraient absents un jour ou l'autre, cet ancien? Non, mis à part l'absence de mes outils, je pense pas. Très bien. Carthag! Carthag! Excusez-moi, il sort. Vous voyez un nain qui sort d'un des trous, effectivement, qu'il y a dans la roche, sous les remparts. Effectivement, il y a un trou ou deux qui ont été taillés à travers la pierre. Il ressort, il a un peu de saleté sur lui, de la poussière. Il a un casque avec une bougie dessus. Oui, patron! Alors? On en est où des effectifs? Il sort une tablette en pierre. Et
C'est assez classique hein, pour ceux qui connaissent un peu les nains. Il y a la troisième équipe qui n'ont pas encore pointé. Sans ça, on est complet, patron. Voilà, il manque personne. Troisième équipe, où est-elle si elle n'a pas pointé? C'est l'équipe qui est en charge, effectivement, d'aller plus loin de la galerie. Parce qu'on a trouvé, effectivement, des... En gros, le conseil des anciens d'Arabelle nous ont demandé, effectivement, de voir si on pouvait faire un réseau d'évacuation d'ordures et d'eau usée, quoi, si vous préférez. Et on est tombé sur des galeries naturelles. Alors, j'ai envoyé la troisième équipe. C'est des petits gars bien qui ont quand même beaucoup d'expérience. Et c'est eux que j'envoie souvent au fond des mines ou au fond des trous des galeries pour voir quelle zone explorer, ce genre de choses, quoi. Mais c'est normal qu'ils ne soient pas encore pointés. La dernière fois qu'ils ont pointé, c'était quand ? Il prend un peu de temps, le contremaître. Apparemment, pas depuis hier soir, patron. Ça te fait pas tilt dans ta tête, du con ? Commence à s'engueuler en un, visiblement. Moi, du coup, je re-rentre dans la cabane à outils. Oui. J'observe... autour, j'imagine qu'on voit les planches qui ont été remplacées. Hein, tout à fait. J'observe déjà, d'une part, autour de ces planches, voir s'il y a des traces au sol. Toi, c'est un endroit assez bien entretenu. Mmh. Et quand tu sors à l'extérieur, tu vois qu'il y a un trou qui a été rebouché. Quelle taille à peu près ? Quel diamètre ? 50 cm. À peu près. Approximativement. Quoi laisser passer une caisse, quoi. Voleur d'outils, voleur de vache. Cette équipe, elle est constituée de combien de personnes et leur nom, s'il vous plaît? Ils sont trois. Grut, Grit et Grac. Grut, Grit et Grac. Très bien. Bon, c'est leur surnom, hein, mais voilà. Et la caverne naturelle, elle ou pas? Justement, c'est eux qui doivent cartographier tout ça. Mais vous n'avez pas été la voir vite fait? Pardon? Vous n'avez pas été la voir à l'entrée? Vous n'avez pas été voir à l'entrée? Comment c'était? Je dois pas comprendre bien. Vous devez avoir un accent elfique, hein, mais moi, je suis pas l'inspecteur des travaux finis. Hein. Ça, c'est mon contremaître hein, qui s'en occupe. Je vous demande au contremaître. Vous avez la galerie naturelle, ce que tu... l'entrée, c'était profond ou pas? Ouais, assez, avec un dénivelé, et puis ça s'enfonçait bien à plus de 300 mètres hein, de distance, tout de même, à vue de nez. Hein. C'est qu'une estimation encore, parce qu'ils m'ont pas donné leur rapport. Ouais, quand vous avez regardé, vous avez pas vu. T'as été coupé au milieu de ta phrase. Quand vous avez regardé, vous n'avez pas vu le fond de la caverne? Non, comme je vous dis, c'est eux qui doivent me faire le détail, tout ça. Ok. Ils se retournent et commencent à beugler quelques ordres. Pour ceux qui connaissent le nain, il a demandé à ceux qui glandaient là de s'équiper, de prendre le piaf. Et de se préparer à récupérer l'équipe 3 qui est manquante. Et vous voyez qu'il y a trois nains qui commencent à réunir du matériel. Est-ce qu'on a vu une charrette en s'approchant du camp? Oui, il y a une charrette, mais même 3-4 même d'ailleurs. 3-4? Ok. Et est-ce qu'on a vu des bêtes particulières? Il y a un cheval de trait. Qui est attaché sur le côté, des bêtes, non, mais il y a,
Il y a une cage à oiseaux qui est en train d'être attachée à l'une des ceintures d'un des nains qui commence à s'équiper pour partir. Tu as un petit logique. Oiseau qui fait cuic, cuic, cuic. Voilà. Il est en cage. Logique. On a quoi comme équipement sur nous? On n'a pas de torche, des trucs comme ça? Ah ben, j'estime que ceux qui ne voient pas dans le noir en ont. Ceux qui voient pas dans le noir complet, oui, ils peuvent en avoir, oui, forcément, oui. Ça devrait être déjà noté sur vos fiches, mais j'estime que oui, vous êtes des aventuriers, vous pouvez en avoir. Ou pas, c'est vous qui voyez. Donc, le minimum. De toute façon, il y a des torches et des systèmes d'éclairage qui sont dans le cabanon d'outils. Enfin, vous les voyez maintenant, si vous voulez en voler, c'est autre chose. Rage. Il faudrait, je pense, aller explorer cette disparition de nains. J'ai un très mauvais pressentiment par rapport à tout ça. Et je pense que un mal doit être enfoui en dessous. Et il serait du devoir des aventuriers, la guide des aventuriers, d'aller explorer. J'ai du même avis. C'est probable. C'est très probable. Dans tous les cas, et là je me retourne vers le chef de chantier, tout ce que nous avons pu recueillir comme traces et indices divers laisse porter à croire que cette troisième équipe peut être suspecte de ce vol. Il n'était pas là hier soir, nous avons trouvé des traces de pas répondant à... Ces hommes sont sous ma responsabilité. S'ils ont volé, soit. Mais je vous demanderai qu'un truc. Essayez de me les ramener. Dites-moi, maître Nain, auriez-vous l'amabilité de nous prêter quelque éclairage afin que nous explorions nous-mêmes ces galeries naturelles? Et ne vous inquiétez prendre, pas, les aventuriers, la guilde des aventuriers d'Arabelle va s'occuper de vos problèmes. Et vous pouvez être rassuré. Et elle sera récompensée. C'est pratique. Et re sur le live. Et nous allons reprendre alors que nous allons explorer les tunnels. Re le live. Re. Monsieur le MJ, la parole est à vous. Les trois nains de réserve ont fini de s'équiper. Visiblement, vous aussi. Donc, il s'apprête à s'engager donc dans ce tunnel creusé par les nains, par eux-mêmes. Hein. Et il passe devant. Ça a l'air d'être deux jeunes nains et un peu plus vieux, peut-être un peu trop vieux, mais il est là. Il éteint d'ailleurs sa pipe. C'est lui qui marche devant. Il garde sa pipe en bouche quand même. Il a une lampe, une pioche sur le côté, une petite et plus courte sur l'autre. En un, il s'adresse aux deux jeunes en leur disant « T'as bien les pommades, t'as bien les cordes, t'as de quoi fabriquer un brancard. » Ouais, ouais, ça, par l'affirmatif. « Allez, jeunes, on y va !» Et donc, ces trois nains commencent à s'engouffrer dans ces tunnels. Vous commencez, j'imagine, à leur emboîter le pas. Ouais. Donc assez rapidement, vous pouvez évoluer à deux, hein, si vous voulez, hein, de chaque côté. Pour l'instant, c'est suffisamment large. Mais bien évidemment, au fur et à mesure, ça se rétrécit. Ça tourne à gauche, à droite. Vous devez... plier un peu plus les jambes ou vous baisser de plus en plus, progresser beaucoup plus lentement, il n'y a plus d'éclairage naturel. Vous entendez parfois le chant de l'oiseau des nains qui répond à l'oiseau que porte Anil. Ça fait un peu... Il progresse lentement. Les nains parlent fort et ils vous donnent
quelques consignes quand ils avancent. C'est souvent le vieux hein, qui donne des consignes. Comme vous séparez du groupe, faites attention là où vous posez les pieds, vous cognez pas, méfiez-vous des éboulements. Si l'oiseau ne chante plus, faites demi-tour. Ce genre de consignes assez de base, mais relativement précieux comme consigne. Et vous voyez que là, ça commence à bifurquer. Ça, c'est la galerie numéro 1. Et en face, c'est la galerie numéro 2. Et c'est au bout de la numéro 2 qu'on a trouvé une galerie naturelle. Donc, il continue tout droit. Ça fait combien de temps que vous êtes sur ce chantier ? Ah, ça fait de bonnes semaines, quoi, à peu près. D'accord. Et les portes disparues, c'est des bons gars, ils sont fiables ? Ah oui, c'est les meilleurs de la compagnie. D'accord. Faut pas qu'on les perde, ceux-là. Déjà, ce sont de bons gars. C'est moi qui les ai formés. D'accord. Et Anulou, t'entends que le plus jeune des deux nains qui vous accompagne murmure. Toi, tu as réussi à l'entendre et surtout à le comprendre, que visiblement, il y a l'un de ses frères dans cette équipe qui a apparemment un peu les chocottes et que celui qui vous guide, le nain un peu plus vieux, est beaucoup trop vieux pour faire ce genre de... De conneries. Tu es trop vieux pour ces conneries. Ouais. Kiko, ma panthère me suit toujours là. Ta panthère te suit, oui. Sauf si tu lui as donné l'ordre de rester à la surface. Non, elle est toujours à côté de moi. Au pire, j'ai une main. Si elle a peur, j'ai une main sur elle. D'accord. Pour la rassurer ou. Et à arriver à un moment donné, c'est plus vraiment de la pierre taillée, creusée, commencer à voir. Stalagmite. C'est un peu plus humide. C'est un peu plus glissant. Je vais retourner vers Anulu et je vais lui faire... Ça rappelle de souvenirs, toute cette pierre, hein ? Je vois pas de quoi tu parles. Menteur ! Je te donne cette réponse... plus ou moins à moitié, parce que je suis plus concentré à regarder un peu partout s'il y a des traces de quelque chose en particulier par rapport à ces murs, par rapport au sol. Vous marchez dans quelques flaques, il y a quelques cailloux. Quelque chose de particulier, mis à part que ce soit une galerie naturelle. Peut-être d'éventuels habitants. Vous pouvez tous me faire un jet de sagesse, mais je vous préviens, il faut que ça soit velu. On a dit velu. Bah, Rage d'Ato est velu. Oui, c'est vrai. Bon, je crois qu'on a effectivement l'un des rares demi-elfes druides spécialisés dans les, non, dans lui, les tunnels grands. C'est Anil. Anil est demi-elfe, je crois. Oui. Ah, voilà. Pardon. Mais ça doit être ton côté humain qui. Voilà, tu devais avoir un ancêtre mineur, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ton sentiment. N'est pas basé sur ton expertise de l'exploration des tunnels, mais ton sentiment, c'est que ce sont des grottes sans âge. Pourtant, il y a des gens qui sont venus. Ils sont venus, ils sont repartis, ils sont venus. Régulièrement. Tu passes ta main sur une des parois et t'as comme un
comme un sentiment de... Il y a quelqu'un qui a déjà posé sa main là où tu as posé la tienne. Ça a déjà été fréquenté, mais ça date de tellement loin. Et c'est vraiment des sentiments que tu ressens, quoi. C'est assez difficile à exprimer. Maintenant, tu en fais ce que tu veux. On t'entend pas. C'est moi qui n'entends plus personne. Allô ? Ah oui. J'entendais plus rien. Ah, moi non plus. J'entendais plus rien non plus. J'en pense que tu veux. Tout le monde nous entend, c'est bon ? Oui. D'accord. Ouais, tu disais à Nil parce qu'on ne t'entendait pas. Que ces couloirs naturels ont été fréquentés, mais il y a fort, fort longtemps. C'est le sentiment que j'ai ressens. Fort, fort longtemps, mais est-ce que récemment, ils ont de nouveau été fréquentés ? Ça, je peux pas répondre. Très bien. Ah non, j'ai bien peur, nous savons de quoi il parle. Quoi donc ? Je peux pas l'affirmer tout de suite, j'ai pas assez de points de vue. Exprimez vos craintes à voix haute. J'ai entendu certaines rumeurs qu'il y avait en ville sur des vermines surdimensionnées. C'est quelque chose par rapport à un événement qui s'est passé il y a bien longtemps. Le chien m'a dit qu'il avait senti comme une odeur de chauve-souris. D'accord. Des odeurs de chauve-souris à l'endroit qui a été fréquenté il y a longtemps. Soyons sur nos gardes. Il y a l'odeur de chauve-souris ? Ça sent quoi la chauve-souris ? Je ne sais pas. C'est bien ce qui m'inquiète. Tout ça est si palpitant ! Je retire tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Kiko, comment réagit ma panthère pour l'instant ? Elle n'est pas vraiment à l'aise en milieu souterrain. Donc elle est effectivement dans tes pattes. Ça lui plaît pas. Il y a des odeurs bizarres. Ça sent l'humidité, ça sent le froid, ça sent la pierre. Et... ouais, elle n'est pas à l'aise. En plus, je suis pas à l'aise. C'est pas pour autant que je vais dans ses pattes. Vous butez sur la personne qui est en face de vous. Parce que le nain de tête s'est arrêté. Bon. Il y a un embranchement. À gauche ou à droite. Alors. On peut parier sur la gauche ou la droite et en s'enfonçant et en priant pour les retrouver rapidement. Ou alors on multiplie nos chances en prenant de chaque côté. Donc, vous n'avez pas dit de ne pas vous séparer ? Les deux nains disent quoi, on ferait deux groupes vaut mieux rester groupés, chef. Ils sont en train de parlementer entre eux en un. Ils m'en voient pas. J'approche ma lanterne et justement j'essaie de regarder s'il y a des traces au sol. Tu regardes et. Ah, c'est. Rien de concret, quoi. Je n'ai rien trouvé, pas de traces, c'est étrange. Et vous n'êtes jamais allé plus loin auparavant ? Bah non, c'est l'équipe numéro 3 qui était censée explorer ce cas. Néanmoins, se séparer, je pense, est une très mauvaise idée. Kiko, si j'ai bien compris, il y a un des frères d'un des trois qui est avec nous là.
Alors, il n'y a que Anoulou hein, qui sait qu'il y a un frère dedans. Non, je sauf sais s'il pas. L'a dit. Mais... Non, je n'en ai pas dit. Okay. Bien, s'il faut prendre une décision, allons à gauche. Bon, on va se grouper. C'est bon. Tout le monde en rang serré. On prend à gauche. Est-ce que je peux demander à Elise de renifler les deux tunnels, savoir si elle sent une odeur de nain ou crotte comme ça. Le vent vient de derrière, donc il vient pas d'en face. Alors, nifle, elle est désappointée, quoi. C'est la première fois qu'elle se retrouve effectivement sous terre. C'est un environnement particulier pour elle. C'est pas trop voilà, dans la nature, en pleine forêt ou dans une jungle même, à la rigueur, ou en pleine, mais sous-sol, c'est très étrange pour elle, quoi. Ton familier, c'est un animal terrestre en plein air, pas sous terrain. Maître Nain, pourriez-vous faire une marque sur le tunnel que nous venons d'emprunter? Pour être sûr que si nous... Elle est déjà faite. Eh bien... Et la montre, effectivement, elle était un peu plus basse. Il a fait à sa hauteur, hein. Effectivement, il y a une grosse flèche avec une sorte de glyphe naine que Anoulou peut effectivement interpréter comme premier passage. Voilà. Et vous commencez à aller donc vers la gauche, c'est ça ? Oui, c'est ça. Très vite, les nains commencent à baisser la tête. Alors vous devez vraiment vous mettre à quatre pattes, quoi. Ah bah moi oui, en tout cas moi oui. Bah tous même hein. Même le nain baisse la tête. Bah tous hein, ouais. Moi au mieux je suis accroupi. Au pire, Raj Dato, comment tu te démerdes avec ton grand bouclier? Tu le fais passer devant toi ou... Je me le mets sur le dos. Ouais, ça coince un peu quand même, hein. Tu galères. Ah. Bah dans ce ça... cas-là, si ça coince au niveau du dos, je vais le garder au bras. D'ailleurs, il y a une roche qui vient de tomber. Yes. Merde. Bah ouais, non, je vais le garder au bras du coup. Rapidement tu remarques que le pousser devant toi c'est plus simple, quoi, ou alors ouais. Tu l'attaches ou tu le tires, mais voilà. Sylvia, s'il y a ouais, un petit caillou qui vient de te tomber sur la tempe, ça s'effrite. Anoulou, il y a une pierre qui vient de se dérober un peu sous ton propre poids, créant une petite faille. Tu peux me rappeler ton poids, s'il te plaît? 177 kilos. Voilà. Ah oui, la belle bestiole. Oh putain, Le semi-orc. Hein. Ah, le métal, ça pèse. Hein. Et... Dans le milieu, on l'appelle l'enclume. La personne qui est à côté de toi commence à voir une faille un peu plus grande qui court entre ses pieds et ses mains. Et rapidement, c'est l'effondrement. Le sol se déroule sous vos pieds. Yes. Vous êtes tous morts. Fin de la séance. Je vais vous demander à chacun de faire un jet de dextérité, s'il vous plaît. Lol. Certes. Alors, si vous avez... Tout ce qui est acrobatie ou autre, ça peut fonctionner avec. C'est terrible ce que j'ai fait. Si vous avez quelque chose lié à un déplacement, ça peut fonctionner. Je fais aussi un jet pour ma panthère. Oui. Il y a une difficulté particulière. Ouais, il y a une difficulté particulière, effectivement. Bon, allez, je reste sur le 15. Pourquoi t'as lancé deux fois ton dernier? Il a lancé pour sa panthère. Oui. Ah, autant pour moi. Donc, ceux qui font 15 ou plus n'ont pas besoin de faire de jet de constitution. Ok. Si vous avez fait moins, un jet de constitution, s'il vous plaît. Oh, ça va, le jet de constitution est un peu mieux. Je suis un chat, je retombe sur mes pattes. Sur ton pas sur tes pattes, mais ça te fait, voilà, ça te fait en rien fait, quoi. En fait, vu que j'ai fait un jet de dex, mais un jet de constitution critique, je retombe sur mes pattes.
Alors, donc, ceux qui ont raté la difficulté donc de 15 à leur jet de dextérité ont fait un jet de constitution, difficulté également de 15. C'est bon. Ceux qui ont raté, à savoir qu'une seule personne, me semble-t-il, c'est Anil. Ouais, je cherche. Il n'y a que toi. Oui. Et donc. Tu te brises la nuque. Les deux. Ma panthère aussi. Ta panthère aussi ? Mmh. Donc toi tu te prends 4 points de dégâts et ta panthère en prend 3. Okay, c'est cocasse. La faille s'est agrandie sous Anulu, créant un effondrement sous vos pieds. Vous êtes tombé sur une pente. Certains se sont agrippés et ont freiné leur chute. D'autres n'ont pas eu le réflexe, peut-être pris par la panique ou le manque d'accroche. Et ont mal supporté ce choc. Et effectivement, il y a Anil qui gise parmi vous, là, avec quelques blocs de pierre et sa panthère qui se lâche la patte et qui commence à lécher le visage d'Anil qui réouvre les yeux. Et la poussière se retombe légèrement. Je vais déplacer les cailloux. Les cailloux de la tête d'Anil, et je vais l'aider à se relever. Apparemment, il y a un peu de sang qui a coulé, quelques éraflures. Vous vérifiez. Oui. Ah, vas-y. Je vais demander à Anil, père ou impair ? Père. Père. Donc, si c'est impair, tu perds. C'est impair, tu perds. T'as écrasé ton oiseau. Oh non! C'est okay. Triste. Ouais. Sniff, j'ai une pensée pour le petit oiseau quand même, en tant que druide. Bah, moi je lève la lanterne a subi dans la chute ou. Bon, elle a résisté. Quelques bosses, mais elle est conçue pour résister au choc aussi, hein, quand même. Tu la lèves, tu remarques. Haut pour voir où on est, ouais. J'ouvre le volet en grand. Voilà. Tu. Là, tout de suite, là, tout ce que tu vois, c'est que les pierres n'ont pas fini de tomber. Et il y a un gros bloc de pierre qui commence à se déchausser de là où il est. Et, à couvert, attention. Faut partir, là, de là où vous êtes. Avec le cri de Sylvia, c'est effectivement, vous reculez. Rajato, t'as pu tirer à Nil. Ouais. La panthère s'enlève, vous retirez un petit peu, et effectivement, il y a un éboulement qui s'entasse. Et au bout de 30-40 secondes, c'est long, ça s'arrête de chuter. Vous toussez un peu, et waouh, merde. Là où vous étiez, il n'y a plus qu'un gros monticule de pierre. Vous êtes dans une autre galerie naturelle. Super, on se croirait dans le scénario d'un mauvais roman. On attend que la poussière soit retombée pour dire d'y voir quelque chose. Vous faites le point, allez-y. Est-ce que tout le monde va bien ? Qui est là, sur le coup ? Qui est encore en vie ? A priori, nous avons tous survécu à part ce malheureux oiseau. Paix à son âme. Je commence à compter tout le monde. Oh, là, il manque les trois nains. Super. Ils ont peut-être eu plus de chance que nous et ont pu continuer à avancer. Ouais. Ils étaient devant. Là, sinon, c'est que la montagne aura repris leur corps. C'est beau. C'est bien dit, mais ça m'empêche pas que ce soit encore glauque. Je vais me rapprocher du monticule de pierre et je vais faire. Par contre, je peux pas vraiment gueuler parce que mes parents dorment. Je vais faire. Hey, de l'autre côté! Vous êtes encore là? Ça résonne. Il y a un petit ébouli. C'est répondu par un ébouli de pierre, petit. Super. Je fais le tour, regarder s'il y a d'autres tunnels ou autres, en étant quand même celui qui vive. Vous êtes dans une cavité d'à peu près 6 mètres de diamètre. Avec trois ouvertures, tu regardes la première, tu vois déjà le fond.
La deuxième et la troisième semblent s'enfoncer encore plus dans les méandres de la terre. Nous n'avons pas le choix, il faut avancer. Ouais. Je vais vous demander votre ordre de marche. Bah, je pense que... Qui est en tête? Rage. Ouais. Rage. Ensuite. Avec épée bouclier. On peut être à deux troncs, c'est ça si... Là, non. Si... Ça, c'est un par un, là. Donc, je vais me tenir derrière Rage pour pouvoir l'éclairer. J'ai une lanterne. Okay. Comme ça, ça lui peut avoir épée bouclier en main. Mm-hmm. Ensuite. Bah, je vais suivre. Je vais être le troisième. Qui prend le quatrième? Je vais le prendre, ce coup. Ma pote, elle est toujours dans mes pattes ou... Oui. Je sais pas comment tu te sens, Anil. Hein. Je sais pas au niveau de tes points de vie ou les points de vie de ta panthère, hein, mais... Moi, je suis à 9 points de vie. Non, je te demande pas ton score de points de vie. Ouais, c'est tellement méta. Je te demande tout simplement, j'espère que tu gères aussi ton état de santé. Je vous rappelle que si vous arrivez à la moitié de vos points de vie, vous êtes en état affaibli. Ça vaut aussi pour la panthère. Et donc, Anulu, c'est toi qui fermes la marche. Ouais. Donc, si vous êtes attaqué lâchement par derrière... Tu seras visé d'abord. Ça coule de source, hein, kilos mais... qui sert de bouclier humain, moi ça me va. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Vaut mieux que ce soit... Pas de problème. Vaut mieux que ce soit lui qui ferme la marche. Donc, entre le guerrier d'un côté et l'âme forgée de l'autre, bon, ça va. Bien. Bah, du coup, le couloir, le passage qu'on emprunte, avec ma dague, j'essaie de faire une trace, en fin de compte. D'accord. Avec une flèche pour... Et puis on avance. Hein. Tu remarques qu'il y a un liquide. Non, c'est pas un liquide. C'est poisseux. Sur ta dague. Quelle couleur? Tiens, ma lampe. Un petit peu verdâtre. Tu t'approches ta lampe. Ça, c'est pas mal. Et ça perd de sa couleur. Ça devient transparent. C'est un peu comme du mucus. Tu peux me faire un jet d'intelligence. Par la sagesse, hein. Donc tout le monde, vous voyez qu'effectivement, Sylvias est absorbé par ce qu'il y a sur sa vague. Après qu'il ait marqué l'une des parois. Il y a une espèce de mucus sur les parois. Je ne sais à quoi cela peut correspondre. C'est pas naturel qu'on a vu, c'est ça? Dans ces grottes, je ne suis pas un habitué des grottes, je suis comme vous, un habitué de la nature, des forêts, des bois. Dans le doute, évitons d'y toucher. Donc à part Sylvias, faites-moi un jeu d'intelligence, s'il vous plaît. Une équipe de cérébro, ça, oh. Hein? Ouais, ouais. Ouais, on est au taquet au niveau interne. Énorme blague. Ah, quoi que tu veux. Joker. Ou pas. Avec Joker, on se regarde. Dégueu. Ah, c'est dégueu. Hein. Alors, est-ce que c'est fongique? Ou est-ce que c'est animal? Tu pencherais plus pour du fongique, Anil? Un champignon qui sécréterait effectivement ce genre de choses. Ok. Super, c'est un champignon hallucinogène, on va tomber sur un scolopendre géant, lol. Bah, moi j'attends qu'il transmet l'info, hein. Nous on l'a pas. pour ma vie, c'est végétal, c'est un champignon qui doit sécréter ça. Un champignon. Je pense. Mais je suis pas espérant. Il pourrait être intéressant de couvrir nos voies respiratoires. Champignons font des spores. Ah! Pas bête. Je relève ma chemise à ce moment-là. Moi, je prends un bout de tissu, je l'humidifie, et
je le mets. Assez rapidement, Sylvia, Sunil, Joker et Raj Dato, vous commencez à couvrir votre voie respiratoire. Bon, bah, la panthère, on ne peut pas. Oui. Et Anoulou, s'en fout. Toi, tu t'en bats les couilles. Balek. Je m'en fais un rail de coke, moi, de votre champignon. Mais vu qu'il respire pas. Est-ce que pour le coup, je me posais la question, mais le gaz, est-ce que pour le coup, pour moi, ce serait pas la même chose, c'est-à-dire que je m'en. Bah, tu respires je pas. Je m'en tape aussi. Tu ouais, voilà. T'as pas besoin de respirer, tu ne respires pas, donc. Il faut que je fasse attention à. À moins que le truc soit un peu acide. D'où sont tes oiseaux. Voilà. Eh ben, c'est pas grave, c'est marrant. C'est sur cet humour noir que vous commencez donc à progresser et à évoluer dans ces boyaux. Et c'est plusieurs fois, c'est ouais, droite-gauche, ouais, par là, ah, cul-de-sac. Vous venez en arrière, vous marquez les parois. Il y a de plus en plus de, ouais, de mucus ou de sécrétions sur les murs. Ça reflète pas mal la lumière. Raj Dato, donc, tu ouvres la marche, tu es éclairé par Sylvias. Mmh. Et tu dois avoir ouais, une poussière dans l'œil ou quelque chose. Ce que tu vois, c'est... Il y a un truc avec la lumière. Parce que même si Sylvias éclaire, ouais. Il y a des moments où toi, tu passes devant la, la lanterne, hein, etc. Ouais. Et par intermittence, le fait qu'il y ait de lumière, de l'ombre, lumière, c'est comme si tu avais des images résiduelles au fond de l'œil, quoi. Donc tu frottes tes yeux instinctivement, ouais. Ça vient pas de tes yeux. Ok. Je sais ça, que ça vient pas de mes yeux. Bah ouais, tu te les frottes et tout, et puis... Mmh. Bah je vais retourner, je vais faire... Sylvias, passez-moi la lampe, quelques secondes. Je lui tends la lanterne. Et je vais là. Bah, du coup, je vais éclairer devant moi, et voir si... C'est clair devant toi, donc ouais. C'est comme un faisceau, hein, c'est une lampe sourde. Mmh. Tu fais un balayage, droite-gauche. Sylvias, t'es un peu... peut-être un peu interloqué par ça. Et Raj Dato, du fait que tu aies la lanterne en face de toi, te cache un peu la vue quelque part. Mais Sylvia, si tu remarques... Ouais, les parois non éclairées semblent être phosphorescentes. A priori... parois n'ont pas l'habitude d'avoir beaucoup de lumière. Et il semblerait que ce champignon soit capable de créer sa propre lumière. Et pour étoffer finalement mon hypothèse, je referme le volet de la lampe sourde. Vous êtes plongé dans le noir, mais très lentement, le sol, les murs, les parois semblent luire, émaner d'une certaine lueur froide mais douce, de plus en plus. Est-ce que c'est suffisant pour que moi, par exemple, je puisse voir Oui, parfaitement, oui. Ouais. De même, j'ai... Pour ceux qui n'ont pas la capacité de voir... en nyctalopie, hein, c'est comme si c'était plongé dans la pénombre, et ceux qui peuvent voir dans la pénombre, effectivement, voient comme en plein jour. Ben, moi, c'est mon cas, je crois que Rage, ça doit être son cas aussi. Moi aussi, j'ai lumière des étoiles. Je ne vois absolument rien. Ben, si, quand même. Ah, genre des petits... Ah, comme si c'était plongé dans la pénombre. Quoi. Mais c'est... Ouais. C'est pas précis. Non, la pénombre, c'est pas précis, on est bien d'accord. Bon, bah, quand il me dit qu'il voit rien, bah, je rouvre le volet et avançons. Vous continuez effectivement votre progression. Il y a un passage assez abrupt, du genre...
vous voyez pas le fond. Et vous voyez une corniche. Donc au bout d'un moment, vous êtes en train de vous coller à la paroi et en train d'évoluer. Avec une sorte de puits sans fond. Il y a un rocher qui tombe. Vous tournez la tête. Un Noulou qui s'est rattrapé. Ça va, il est encore là. Et à un moment donné, vous faites une pause. D'ailleurs, après cette petite corniche, vous soufflez un peu. Anil, tu vois que les deux oreilles de ta panthère se dressent. Vous êtes tous plus ou moins assis dans un endroit, une cavité où vous pouvez tenir à plusieurs. Et elle commence à s'enfoncer un peu dans l'une des galeries. Et elle revient. Et elle commence à te tirer la manche. Bah, je la suis. Moi aussi, où allez-vous, Anil ? Je sais pas, Elise me dit d'aller par là. Allons-y, mais n'y allez pas seul de front. Ouais. Tu te rapproches. Et Anil, donc tu vois que ta panthère s'est arrêtée. Et étonnamment, tu es en hauteur, tu surplombes une grande salle garnie de piliers taillés, avec une petite lueur vers le bas, en contrebas. Pour illustrer ça, je mets une illustration, une petite image. Magnifique. Je referme ma lampe pour pas qu'on soit repéré par la lumière. Oh, c'est joli. Ah, c'est inquiétant. Donc, ça a l'air d'être construit, ça a l'air d'être tendu. Ça a plus rien de naturel. Et vous êtes en hauteur. Combien de mètres de hauteur ? 10 mètres facile. Ah. Il y a un moyen de descendre, une échelle, une corde. Absolument pas. Pas, ah, ok. Est-ce que quelqu'un a pris une corde ? Ouais, j'en ai une sur moi. On a pris une corde à grappin. Grappin. Ouais, j'ai pris une corde grappin, ouais, donc. J'aime pas trop l'idée, hein. Je le dis au doigt ça. J'aime pas trop l'idée, mais. Descendons. Pas trop le choix. Nous n'avons guère le choix. Est-ce qu'on sait au moins quel pain c'est quoi au bout, là ? Ce que vous voyez au bout, c'est une lumière vacillante. On dirait une torche. Oh. Et à côté, c'est une porte ou c'est une ouverture ? Apparemment, ça a l'air d'être une ouverture. Je vais accrocher la corde grappin en la testant plusieurs fois dessus. La prudence est de mise. Mmh, ouais. Pendant que je descende, je fixe toujours l'ouverture, moi. On descend un par un, donc je dirais Rage d'Ato en premier. Rage d'Ato qui descend donc doucement, il prend le temps pour pour descendre tout ça. Ça a l'air de tenir. Hein, Annule, et en bas. Je préfère y aller en dernier. En dernier, ouais. C'est regrettable. Je vais y aller en second alors. Ce serait surtout dommage qu'on soit coincés tous les deux dans les ruines. Mmh. Quelques instants plus tard, Sylvia, si tu es en bas, ce sol dallé, mais où il y a quelques rochers, visiblement. Je descends au troisième, au pire. Tu commences à descendre. Ton attention se focalise sur les yeux de ta panthère à ce moment-là. T'as commencé à descendre. Hein. Et ta panthère te regarde. Elle a l'air désolée. Je fais comment, ma canard ? Désolée parce qu'elle sent qu'il y a un danger ou... Peut-être parce qu'elle va galérer à descendre. C'est surtout qu'elle va pas descendre.
C'est pas con, une panthère. Est-ce que je vois le regard désolé de la panthère ou... Bah, tu vois une panthère qui regarde Anil. Ouais, elle a les oreilles couchées. Anil, pour remonter la corde. Anil. Un petit écho. Donc je remonte avec elle. Accrochez-la autour de votre panthère et faites descendre la corde avec elle en vous. Vous êtes trois, vous êtes largement capable de faire ça. Et nous la réceptionnerons en bas. En bas. Bah ok, on va essayer de faire ça. J'essaie d'attacher avec prudence, avec délicatesse la panthère à la corde. Alors, elle pince la main de Joker. Sans te mordre, mais elle te pince parce que elle a ouvert la gueule sur la main d'Anil, mais elle la referme pas sur sa main non plus. Mais elle aime carrément pas ça, quoi. Elle veut pas descendre. C'est ce qu'elle aime pas que tu parles pas aux animaux, donc, mais voilà, elle est sa queue fouette l'air. Tu comptes l'attacher, la suspendre dans le vide. Pas l'air d'apprécier ça. Quoi. Ok, donc je lui dis de rester où elle est. Apparemment, ça lui plaît pas non plus. Perdons trop de temps, rage. Ouais. Anil, le temps que vous régliez ça, je descends. D'accord ? On voit ça tout à l'heure. Ok. Quelques secondes, parce que apparemment, Joker descend. Avec l'aisance toute féline de sa corde et finit par peut-être une figure particulière. Petite cabriole. Petite cabriole à la fin. Et fait un salut au public. Comme ça, donc en haut, il y a Anoulou, la panthère et Anil. Au pire, accrochez-la à Anoulou. Alors. Et mettre plus de poids sur la corde. Qui a dit que vous parliez de la corde? Attendez, quoi? YOLO! Il y a combien de hauteur? Il y a bien 15-20 mètres, non? 10 mètres, il nous a dit. 10 mètres? Pardon. Facilement. Ouais, toi, tu peux sauter. Non? C'est tentable. Atterrissage de super-héros, atterrissage de super-héros. Il veut faire une Iron Man, ok. Perdons trop de temps. Bon, les filles, décidez-vous là. C'est tentable. C'est Anil et surtout au principal concerné de me dire ce qui semble. Prenez pas de risque, faites descendre la panthère et suivez derrière. Lancez-la moi au pire, je la rattraperai. Non. Mais ça va être encore pire ça. Alors, que décides-tu, Anil? Bon, je vais l'attacher, mais je lui dis de se calmer un petit peu. Même si elle est craintive. Bon, elle t'obéit au doigt et à l'œil, donc je te demande pas de jet. Mais bon, moi, tu l'attaches, quoi, derrière les pattes avant, derrière les pattes arrière. Tu commences à la descendre, tel un sac à patates. Elle commence à s'agiter. Ça tire beaucoup sur tes bras. Anoulou, tu aides Anil à ce moment-là. Je lui dis de se calmer. Elle gigote beaucoup. Fais-moi un jet de charisme, Sylvias. Oh. Tu t'y prends comment? Quels sons les autres peuvent entendre? Yeah. Elle va pas te voir, donc là, il va falloir émettre un son. Attends, je recherche juste ton prénom. Calme-toi, Elise. Tout va bien se passer. Nous sommes là pour te protéger.
Et fais confiance à ton maître. C'est lui qui est de l'autre côté de la corde. Jamais il ne ferait quelque chose de dangereux pour toi. Alors qu'il est en train de le faire. Mais ça ne veut pas dire. Et ses pattes touchent le sol. Je la détache. Elle enfouit sa tête sur toi et en ronronnant. Oh, il est trop mignon. Tu as été courageuse. À qui le tour ? À Nil, tu descends, sans problème. Oui. Arrive à Nulu. Bon, bon, on s'écarte, que ça s'y tombe. Donc, je suis en bas quand même, je caresse Elise. Ouais, tu la réconfortes et elle ronronne. Je me demande si Rajdato peut ronronner. Et mon poil dans ta gueule, il ronronne aussi. À Nulu, comment tu comptes t'y prendre ? On est bien d'accord que la corde n'est pas assez épaisse pour me... Bah, même si la corde tient, je pense que le grappin, il va lâcher. Ouais, c'est ce que je veux dire. Bah, tente. Bah, au pire, bon. Soit tu tombes, soit tu tombes. Allez, je vais sauter à la demande générale. Bah, du coup, récupère le grappin. Si tu Alors... Tu tentes de descendre en rappel ou tu sautes en méthode YOLO ? Non, pas en méthode YOLO, mais comment dire je m'assois quand même sur le banc. Mm-hmm. Je m'agrippe au banc du ouais. Avec les mains et puis donc tu gagnes. Voilà. Je me laisse tomber en m'éloignant du mur. Tu essayes de faire une glissade, on va dire, entre guillemets. Te rattraper sur les petites... Ah, tu peux tomber comme Hulk, tu sais, sur l'immeuble. Ouh, tu te retiens. C'est un peu ça. C'est un peu l'idée. Le long de la paroi. Oui. Alors, je te laisse le choix entre dextérité ou force. Ouais, c'est là que je pense. Un quoi que. T'informant que si tu fais pas 15, t'auras des dégâts. Ah. Tu te suspends. Point de chance. Allez, fais gaffe, parce que moi aussi j'ai déjà fait ça, ça s'est mal passé. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Est-ce que ça peut bien se passer ? Oui, allez, point de chance. Hop. Ah, il a quand même fait un jet pourri, oui. Voilà, c'est beaucoup mieux. Tu commences tu ripes un peu trop vite, tu te raccroches à une pierre, t'es trop lourd, elle se casse la gueule, tu cales ton pied sur une infractuosité, paf, t'as évité le pire. Et tu descends encore un petit peu, là, quelques éraflures, rien de grave, t'arrives en bas. Bravo, ça va. J'applaudis. Eh ben. C'était beau. Et donc, vous êtes arrivés en bas, tous. Et donc, il n'y a pas d'entrée, on dirait, hein, mis à part l'endroit où vous êtes arrivés, pour ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas de... Il n'y a rien. C'est une pièce qui a été faite, sculptée, voilà, construite et tout, avec une ouverture au fond, une stèle au milieu d'un piédestal, des arches, un escalier qui monte sur une ouverture où il y a une, on dirait une torche qui brûle. Alors, encore des ruines, dis-je, en regardant Anubu. Et bon. Il n'y a pas 36 solutions. Hein. Allons voir ce qui se passe là-dedans. Tu commences à te rapprocher. J'ai mon bouclier au bras. Tu avances prudemment sur ce sol dallé. Ouais. Je sors mon arc.
Tu sors ton arc. Les piliers, ils ont l'air récents. Ils sont bien. Enfin, les sculptures, elles ont l'air récentes ou elles sont un peu effacées par le temps. C'est usé. Ouais, c'est. C'est usé. Okay. Donc ça n'a pas été creusé. T'as envie de dire, c'est antique. Ok. Donc ça n'a pas été creusé il y a 3 jours. Non. Pas vraiment. Voilà, je me dirige vers la porte. Tu t'avances vers la porte. Et je vais pas l'ouvrir tout de suite. D'abord, je vais rapprocher. Enfin, c'est une entrée, hein. C'est une ouverture, c'est pas une porte. D'accord, ok. J'entends du bruit. Justement, je vais te le dire. Non. Pas de bruit. Okay. T'entends pas de bruit. Tu te rapproches au fur et à mesure. T'es au niveau donc de ce cercle hein, qui est entouré d'arches. Mm-hmm. Donc tu t'approches, voilà. Les autres, je sais pas si vous suivez la marche. Je suis plus ou moins. J'ai arc en main, une flèche en cocher, vu qu'il y a de la lumière en plus. Effectivement. Et je suis, mais en laissant quelques mètres quand même. Arrivé à 3 marches du cercle qu'il y a au sol, Rajdato, tu t'aperçois qu'il y a des inscriptions sur le pourtour donc de ce cercle qui mm-hmm. commence à luire hein, d'une lueur blanche, bleue. Ça s'est pas allumé d'un coup. Hein, ça a commencé en fait à mm-hmm. s'illuminer tout doucement. Progressif. Ouais. Mais c'est progressif, ça. Ça part d'un point et ça fait une boucle. Ouais. Là, la première inscription s'illumine. Oui, c'est comme ça. Quoi. Ensuite, une deuxième. Ouais. Et ça commence à faire le tour, en fait. Je vais m'éloigner. Tu t'éloignes et ça continue à s'allumer. Ok, donc c'est pas moi. Ça représente quelque chose, ces écritures? Je vérifie les langues que tu parles. Non, je parle comme un fils. D'accord, non. D'accord. Je vais pas rentrer dans le cercle, je vais le contourner. D'ailleurs, il n'y a aucun de vous qui parle ce langage. Terrible. C'est une Mésopotamie de Nouvelle-Guinée. Du coup, je vais faire le tour et je vais aller vers la porte. Tu commences à faire le tour. Tout le monde peut voir qu'entre ces 3 arches, il y a comme de l'électricité statique. Un peu plus fréquemment. Là, clairement, il y a quelque chose qui se passe. J'épaule mon arbalète. Alors, on dirait le bruit de quelque chose, mais... Est-ce que c'est une respiration ? Vous vous sentez observé ? Il y a toujours ces algues lumineux. Ça vous parle. Ça a arrêté de parler. Avec le langage des animaux, j'ai compris quelque chose par hasard. Négatif. D'accord. C'est pas elfique, c'est pas commun. C'est pas elfique. Anoulou, ça te dit quelque chose et tu comprends pas. Sur la stèle au centre, il y a un cercle qui s'illumine un peu plus. Et comme si on avait enlevé un couvercle et qu'il y avait un puits de lumière au milieu. Et il y a une silhouette qui commence à émerger. Une silhouette encapuchonnée, un bâton dans les mains, et elle sort de cette lumière, elle est nimbée de lumière. Je dégaine. Tu dégaines. J'encoche une flèche dans mon... Tu encoches une flèche. Est-ce que on ressent de l'hostilité par rapport à cette entité? Vous ressentez des effluves étranges. Anoulou, tu
tu tiques, il y a quelque chose. Comment réagit ma panthère à cette personne? Elle a les oreilles baissées, sa queue fouette l'air et elle grogne. Et vous voyez que sous cette capuche, il y a des yeux luisants. Et vous entendez quelque chose qui donnerait éventuellement... Bon, je n'ai pas les organes pour, mais... Ça vient de cette silhouette. Incroyable. Et la lumière se tamise un petit peu, parce qu'elle était relativement aveuglante. Et ce n'est pas un bâton qu'elle tient, cette silhouette. C'est une colonne vertébrale surmontée d'un crâne, comme un bâton. C'est un peu viscéral, cette impression que j'ai ou... Ouais. Ok. Et sa main gauche commence à luire avec des étincelles, okay, des effluves. Et à ses pieds, vous distinguez effectivement une sorte de crapaud mécanique. J'essaie de trouver un endroit pour me mettre à couvert au cas où. Je sais pas si tu, tu prends place derrière un pilier. Voilà. Je vais me rapprocher avec l'épée, avec le bouclier en garde, et je vais faire. On comprend pas ce que tu dis. On parle pas ta langue. Est-ce que tu respectes cette créature? Elle tourne la tête vers Rajato. Elle tourne la tête violemment vers Anulu, ce qui a pour effet de dévoiler un peu son visage. Visage métallique, aux yeux luisants. C'est une âme forgée. Son bâton frappe le sol. Il empoigne son bâton. Initiative. Alors, j'ai oublié d'en faire un autre. Tac. Un spécial. Alors, Joker, combien t'as fait en tout? 21. Élise, elle fait combien? 22. Gros bill, Élise. Anil, tu fais combien? Anil, elle a fait 16. Merde, 16. Anulu. 16, du coup. 16. T'as pas de... Ah, si, t'as ton plus 10. Ouais, c'est ça. Donc t'as J.A. 26, alors. Sylvias. Je suis à 17. Rajdato. C'est quoi c'est dette de l'initiative, là? J'ai pas ça, 19. Bah, si, t'as une macro. T'as une macro, là, que t'as acheté. Ouais, j'ai 19, ouais. Mais c'est pas. Bah, c'est pas ce qu'il nous a expliqué au début de la partie. C'est dans les capacités, c'est pas dans les statistiques. Oui. Autant pour moi, j'avais pas vu. 14. 14. J'avais pas vu, autant pour moi. Ok. Alors, clac. Alors, que fait ta panthère? Bah. C'est Anulu. Hein? Ouais. Ah oui, c'est Anulu, pardon. Anulu. Excuse-moi. Anulu, qu'est-ce que tu fais? Tu réserves ton action? Je réserve mon action. Ok. Que fait la panthère? Pareil, je pense. J'essaye de la calmer pour... Tu lui donnes pas d'ordre? J'essaie de... J'ai une main sur elle, pour l'instant. D'accord. Ensuite, Joker. Faire un point sur l'environnement, sur ce qu'il y a autour de moi, sur le coup. Des petits cailloux, des rochers un peu plus gros, des colonnes un peu plus éloignées, plus proches, et des arches. D'accord. Prendre déjà, enfin m'émanciper peut-être du corps à corps si potentiellement je suis à proximité. Tu tiens tes distances, d'accord. Exact. Essayer d'attirer son attention
avec parce que j'ai une harpe surtout, et en faisant tout n'importe quoi avec pour voir comment Yel réagit. Alors je vais te demander un jet de charisme, mais je te préviens, c'est velu puisque tu n'as pas encore cette capacité. Et quand c'est moi qui fais velu. Mais quand ça velu ici, ça. Ouais, c'est ça. Il est velu et soyeux. Ah, dommage pour un point, c'est con. Pas grave. C'est dommage. Donc tu fais un petit peu le guignol entre guillemets pour attirer exact. Son attention. Et donc par contre c'est à donc à l'âme forgée d'agir. Terrible. Alors. Donc, frappe le bâton sur le sol et le pointe sur Ashdato. Oui, forcément. Ça nous arrange. Totalement. On va pas se mentir. C'est vrai que finalement, je suis là pour vocifère quelque chose dans cette langue incompréhensible. Elle vient de traiter ta maman. Ouais, quelque chose dans le genre. Et te projette une sorte de rayon verdâtre vers toi. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Alors, dans ce cas-là, je vais utiliser un point de chance. Bon courage. Hein. Ah, je peux toujours rêver. Oh, l'enfoiré. Oh, critique. Oh, c'est merveilleux. Oh, ça a marché. Ouh, je suis content. J'avais un point de chance, je l'ai utilisé et bien utilisé. C'est cool. Oh, l'enfoiré. Donc, la cible doit réussir un jet de force ou de sagesse, c'est à ton choix, difficulté 12, ou tu dois fuir telle une pucelle. Waouh. Allez. Oh, il est vaillant. Il est vaillant. Résiste. Je me prends le rayon. Résiste. Et je la peur en fait, ça me fait rugir. Avec un rugissement. Avec gré. Rugissement féminin qui se fait entendre. C'est épique. Et du comment elle dit ça? C'est Silias. On va tirer. Oui, vas-y, Rage. J'avais juste une question. Les dégâts, c'est des dégâts. Non, je te fais pas c'est de dégâts. Écrit, il n'y a pas de dégâts. Ah, ok, d'accord. Merci. On va décocher une flèche. Hein. J'ai pas grand chose d'autre à faire. Plonk. Ah, j'ai pas dû toucher. Ça, ta flèche se plante dans une de ses sacoches. Ah ah Tu ne t'attendais pas à ça. T'interviens quand tu veux, Anoulou, hein, en fait, hein, puisque tu as réservé ton action. Hein. Okay. Tu me dis quand tu veux agir, tout simplement. J'aimerais agir. Pour... Vas-y. Je vais tenter de tirer à l'arbalète l'ombre en visant la main qui tient son sceptre. Donc tu tentes de désarmer cette personne entre autres. Alors ça s'appelle une manœuvre. Donc c'est soit tu veux faire des dégâts, soit tu fais cette manœuvre. C'est à toi de voir. Ben dans tous les cas, j'aimerais quand même viser la main que je la désarme ou pas. D'accord, bah fais-moi un jet d'arbalète. Mon idée étant que soit pour le coup je le désarme, soit si je réussis suffisamment mon tir, peut-être qu'il y a moyen soit d'arracher la main, soit d'intervenir avec un des ambres qui a dans... Tu fais ce qu'on appelle une manœuvre d'usure dans ce cas-là. Donc, en gros, ça se traduit par tu fais un jet d'attaque à distance en cliquant sur ta macro en haut.
Voilà. Moi, je réponds avec une de mes attaques. Le plus gros gagne. Voilà, tout simplement. Et si c'est toi qui remporte, bah, tu me laisseras en fait le choix de soit je préfère prendre les dégâts ou soit je lâche mon sceptre. D'accord. Okay. On fait comme ça ? On fait comme ça. Ok, vas-y, donc fais ton jet d'attaque. J'ai un jet de... distance, c'est ça ? J'imagine attaque à distance, hein, voilà, hein, parce que tu utilises tes arbalètes. Mm-hmm. Moi, je fais mon jet aussi. Ah, au bon. Ok, pas de point de chance, c'est bon ? Non, pas de chance. Ok. Donc tu vises, tu tires, il a bougé au dernier moment, effectivement. Tu rates de peu, hein, d'un cheveu. Hein. C'est con. Okay. C'est dommage. On est à qui ? On est à. Anil. Anil. Ben, je vais tirer avec mon arc. Vas-y. Tu t'encoches une flèche, tu bandes ton arc, tu vises, tu tires. Et la flèche s'enfonce dans sa poitrine. Ah, ça fait ça. Avec un bruit. Ch'ting ! C'est un bruit un peu comme ça. Métallique. Et on passe à Rage Dato, qui a poussé son hurlement de rage. Ouais, je ne fuirai pas. Trop bien. Et tu. Et je vais mettre un coup d'épée. Tu t'avances, tu charges. Et tu fends l'air avec ton arme. Et je fais un point de chance. Et tu fais un point de chance. Tu fais une feinte. Et ah ah ah, tu es tombé dans mon piège. Et d'un revers... Tu le touches pas. Il met un pas en arrière en évitant de peu de se manger ton épée dans la tête. Pas d'autres points de chance, hein, non, c'est bon. Ah bah, si tu me laisses le... Si tu me laisses oh bah, le faire. Tu peux en cramer autant que tu veux. Enfin, autant que tu en as, plutôt. Bah, je sais pas, t'avais déjà commencé à parler, donc je me suis dit que c'était trop tard, mais tant pis. Va te faire foutre. C'est bon, j'en ai marre. Continue. Tu fais un aller-retour, et il s'est bien reculé, il s'est même jeté en arrière au niveau de la stèle. Et c'était une belle passe d'armes, hein, mais malheureusement, il a anticipé chacun de tes coups. Est-ce que, Anulu, tu as la capacité de recharger automatiquement ou pas ? Pour savoir si tu as toujours ton bonus monstrueux en initiative, en fait. Non. D'accord. Donc, on passe ça. Élise, que fais-tu ? Anil, que fait Élise ? Que fait ta panthère ? Oui, je suis en train de réfléchir. Ah, d'accord, donc tu vas me le dire après que Joker ait agi. Je t'écoute, Joker. Je vais rester sur l'idée de balancer une dague pour désarmer sur son sceptre, encore une fois. Enfin, sur sa main. Tu connais la mécanique, un jet d'attaque à distance. Si j'ai bien se lancer. J'ai effectivement du bol. Hein. Oh le salaud. T'as trop. Mais pourquoi t'as fait 0 dégâts de dégâts ? Ah non, tu fais désarmer, c'est ça. Oui, c'est. Ouais. Donc effectivement, même chose en fait. Il a utilisé son bâton pour parer ton projectile en plein vol. Il l'a intercepté. Tu sais ce que va faire ta panthère ou pas ? Ouais, va attaquer, même si je sais que ça va pas servir à grand chose. Donc ta panthère s'élance dans un rugissement et elle l'a plaqué au sol. Ils roulent tous les deux, ils se relèvent avec sa tunique déchirée. Vous voyez que son torse est rayé et y a la panthère qui se met en position de combat et qui recrache un petit morceau de métal. Solide. Effectivement, je vérifie quelque chose. Ça lui a pas effectivement plu. Sacré chico. Y a le. Vous voyez accessoirement qu'il y a le crapaud qui vient de lui sauter sur l'épaule et qui fait d'un croassement un peu mécanique. Donc après, ah bah c'est à moi. Alors, ça n'a pas marché.
Ensuite, bah, on va essayer ça. Elle pointe, l'âme forgée corrompue pointe son bâton vers. Bah oui, la, celle qui lui a fait le plus de dégâts, la panthère. Et il y a une lueur rouge qui sort de son bâton et qui vient frapper la panthère. Mm-hmm. Est-ce que ça touche ? Il y a des chances, hein. 18. Oui, il y a des chances. Ouais, ça touche. Ça touche. Ta panthère perd 5 points de vie. Ouf. Aïe. Elle commence à avoir du sang qui coule de ses oreilles, de son museau, de sa gueule et de ses yeux. Elle est encore debout ou pas ? Non. Ah, et elle s'effondre sur le côté. Avec la langue tirée. Et le sang s'écoule encore. Personne suivante. Bah c'est... C'est moi. Toi. Anoulou, je crois. Ouais. Ah. Sylvias. Ah, Anoulou, il n'a pas son bonus. Non, non, j'ai plus mon bonus. Tu bandes ton arc. Tu vises. Non, je vise pas. Non, non. D'accord. Je vise pas. Je fais des tirs de distraction. Anoulou, qu'est-ce qu'il fait ? Je change mon arbalète et j'en profite pour comment dire, observer un peu plus attentivement cet infangé. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier sur ce qu'elle porte, un signe distinctif ? T'es à distance. Mm-hmm. Elle a eu les vêtements déchirés. Tu distingues une glyphe rouge dans son dos qui pulse. Est un mauvais pressentiment. Raté. Je le dis à voix haute, le coup du glyphe. D'accord. Donc on arrive à. Alors à nous, c'est fait. Anil. Il est devant nous ou on voit la marque rouge qui est derrière ? Toi, tu la vois pas. Allô. Que fais-tu ? Bah, au pire, je vais essayer de viser le crapaud qui est sous son épaule. Ouh. Ok. Je sais pas quoi faire, honnêtement. Ah. Vas-y. Familier contre familier. Ah, tu m'as buté mon familier, mais je vais buter le tien. Ah. Et c'est une petite cible. Voilà, c'est dans les méandres du combat. Voilà, c'est pas évident de toucher. Rajato. Je vais réitérer mon action. Hein, je vais le faire. Je vais remettre un coup de. Ça commence à bien faire. Voilà. Tu sautes du piédestal où tu es pour abattre ton épée sur cette âme forgée corrompue. Ton épée vient pénétrer entre sa tête et son épaule. Un bruit métallique, une gerbe d'étincelles, un liquide noir qui gicle. Comme si tu avais sectionné une artère, sauf qu'on dirait de l'huile ou quelque chose dans ce genre. Ouais. Ça s'enfonce jusqu'au milieu de sa poitrine. T'entends un bruit qui vient au fond d'elle. Et tu vois ses yeux qui luisent de plus en plus pendant que son corps s'effondre par terre. T'as l'épée coincée dans son torse. Et ses yeux deviennent rouges, 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 rouges. Je vais essayer de... Anoulou ? Oui. Tu sais que ça pue ? Oui, je sais ce que c'est. Il y a un moment de flottement. La caméra se fige sur Anoulou, au ralenti.
qu'est-ce qu'il fait ? Je tire. Alors, je vais développer. Hein. Tu sais que ça pue. Elle est hors combat. Elle n'est plus en état. Donc, ce n'est pas le protocole d'urgence. C'est pire. Ah, c'est pas le protocole d'urgence. Hein. Non. J'ai compris. Tu sais pas ce que c'est, mais ça pue. Oh, putain. T'as un danger. Là, c'est viscéral. Moi, je sais ce que c'est, mais pas mon perso. Rage. Tout ça, c'est passé dans ton esprit. Et qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu dis ? Rage, lâche ton épée et bain-toi. Je cours vers lui pour essayer de l'emporter. S'il le fait pas suffisamment. Enfin, alors, suffisamment vite. Je vais obéir. Je vais lâcher mon épée. Lâche ton épée. Je vais fuir en courant en récupérant la panthère au passage. Ah! Fais-moi un jet de dextérité. Ah, ça n'a pas de la force. Terrible. Ta force te permet de la porter. Ouais, la dextérité permet de la garder sur les épaules. Et d'aller plus vite. Les autres, qu'est-ce que vous faites ? Ah, je me mets à mon couvert. Quand je vois ça, je me planque vraiment derrière mon couvert. Hein. Alors, Sylvias, tu te mets à couvert. Rajdato. Terrible. À la poisse. Tu trébuches. T'as la panthère dans les bras. J'ai envie de te dire, allez, sur mon autre table, j'ai l'habitude de jouer sans point de chance. Allez, dernier point de chance. Neil, qu'est-ce que tu fais ? Je me mets à l'abri. J'essaie de... J'en ai marre. Tu te mets à couvert aussi, oui. Joker ? Je sors de la pièce. Je pars le plus vite possible. On me dit ça pue, je me casse. Bah, y a pas vraiment... Mais derrière un gros pilier ? Ouais, c'est ça. Non, vraiment, je pars le plus loin possible, en fait. C'est, si je peux sortir de la pièce, juste. Bah, il y a une ouverture. Il n'y a pas d'accès. Il y a juste une ouverture où il y avait... Il y a la torche qui brûle. C'est pas vers là où il y a l'arme forgée ? Oui. Si, ouais, si. Voilà, donc tu dois, tu dois te rapprocher d'elle pour te barrer. Ah zut ! Oh, le chat ma main des... Mince. Pardon, hein. Je t'ai empêché de tuer un PJ. C'est très malheureux de ta part. Alors, donc j'imagine que tu vas à l'opposé, Joker ? Ah, totalement. Ok. Et Anoulou, donc pour toi, ça se passe comme au ralenti. Hein. Donc tu vois Rajdato qui trébuche, qui galère avec la panthère qui est lourde. Derrière, l'âme forgée corrompue qui commence à luire. Tu vois au ralenti hein, les interstices à l'intérieur de son corps qui commencent à luire d'une lueur rougeâtre. Qu'est-ce que tu décides de faire ? Est-ce que tu décides de courir à l'inverse, sauter sur Rajdato, te faire un thé, je ne sais pas. Il y aurait une action tellement stylée à faire. À terre huile. Tu t'interposes. En te faisant un thé. Là, concrètement, en termes de positionnement, parce que je t'avoue que j'ai un peu du mal à me représenter là. Ouais. La distance entre Rajdato et l'âme forgée, du coup, elle est de combien de mètres ? À ton goût, elle est trop proche. À ton goût. Le plus loin possible serait le mieux. Elle est... il est à 4 mètres de lui, approximativement. Quoi. Putain. Il s'est un peu viandé, hein, on va pas se mentir, avec ses jets pourris, hein, quand même. Écoute, c'est pas si peu. Je t'écoute. Son bouclier, il est bien attaché à son bras. Me semble. Ouais. Ok. Bah allez, je vais être vache. Je suppose 5, que. 4, 3. Putain, je me jette sur lui. 1. Pardon ? Je me jette sur un jeté. C'est tellement stylé. Oh là là. Oh mais. Beau. Tu jettes sur Rajdato. Tu vas l'écraser de ton poids. Non, tu ne mourras pas de l'explosion, tu mourras de mon poids. 167 kilos d'un coup. Et là... C'est le drame. Ça
ça explose. Ça va. Tu ne prends que 5 points de dégâts, ça va. C'est... Mais bien sûr, je ne t'autorise pas un jet de dex. Hein, tu prends full dégâts, bien sûr. Ça préserve Rage d'Ato et du coup, la panthère également. Oh là là. La déflagration est assourdissante. Tu as des éclats qui se sont plantés dans ton dos, Anoulou. La fumée se dissipe. Il n'y en reste rien de votre adversaire, mis à part quelques pièces détachées, fumantes. Le calme revient. Vous avez les oreilles qui sifflent. Enfin, Rage d'Ato et la panthère. Rage d'Ato a les oreilles qui sifflent. Anoulou, t'entends rien, ça siffle pas, c'est juste que ton système auditif s'est coupé, hein, il va se réenclencher plus tard. Il va reboot. Voilà, ce genre de choses. Et tu fumes, hein. Anoulou, tu fumes. Et les autres, vous voyez que voilà, il a fait rempart de son corps en recouvrant Rage d'Ato. Oh, c'est tellement beau. Oh, oh là là. Ah, c'est la stylé. Ah, moi, je vais voir Rage d'Ato, je lui fais. Il parle et ça vient pas à tes oreilles. C'est vrai que c'est, ouais, c'est bien. Et je me retire de dessus à Rage d'Ato pour le coup et je reste assis le temps que le chef passe. Quoi. Assis. Et tu restes assis et. Ouais, ce moment est un peu figé dans le temps. Je vous écoute, qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, je vais voir ma panthère. Elle n'est pas en bon état. Est-ce que je pourrais lui donner une baie à panthère? Je sais, c'est pas forcément son. Alors, au pire, question. Quand avec l'attaque de saignement, je l'ai mis à combien de points de vie, Anil? Elle est à zéro. Elle était tombée à zéro pile ? Oui, zéro pile. Elle était tombée à zéro pile. Il s'est passé un round après. Mmh. Il me semble que c'est un D6 pour le saignement. C'est ça. Enfin, c'est un D6, mais sur deux tours. Ça, il restait un tour. Il restait un tour d'un D6. Alors... Un D6 par tour pendant deux tours. Donc, c'est le dernier tour. Alors... Ok, donc elle est à moins 5. Il y a une explosion qui a été couverte. Ok. Alors, on va me faire déjà un jet de constitution. Ça pue. Hein. Elle risque de crever. Hein. Oui, je sais. Oui, bon, ça va, on a compris. Hein. Elle risque de décéder, si vous voulez. Hein. Ça va. Sylvia, tu sens encore un pouls. Anil aussi. J'écrase DB dans mes mains et puis je lui... Je lui mets dans le fond de sa gorge pour essayer de la soigner. Je peux rien faire d'autre en disant des mots gentils. Alors, ça va lui donc faire récupérer combien de points de vie ? Un des 6 plus 1. Vas-y. Allez ! Un des 6 plus 1 parce que c'est des marques. Ah ! Alors, elle est à 5 points de vie, elle est toujours en état affaibli, j'imagine. Oui. Elle ne reprend pas connaissance tout de suite. Bah, du coup, elle est à 0. Parce qu'elle était à moins 5. Elle est stabilisée, là. Mais elle requiert bien sûr des soins, visiblement que vous n'avez pas vraiment encore. Là, c'est l'équivalent d'avoir fait un premier secours, si vous préférez. Ouais, si on avait... Au moins, elle risque pas de mourir, là. De façon immédiate, oui. C'est là, ça. Ouais. Donc, il faut qu'on sorte au plus vite. Elle est très mal en point. Le problème étant qu'il y a plein de chemin pour en sortir. Eh bien, suivons-le. Nous n'avons guère le choix. Ouais. Joker, tu fais quoi pendant ce temps-là ? J'observe, mais ça me fait plus penser à... Comment dire j'apprécie la camaraderie qu'il y a eu entre Rage d'Ato et Anoulou. Et entre-temps, je vais vers le cadavre fumant, j'imagine. C'est plus vraiment... Enfin,
un cadavre fumant. Un loulou ? C'est ça. Non. il est fumant, mais c'est pas un cadavre. Ouais, de ce qui reste de l'âme forgée, effectivement, il reste plus rien. Hein, donc, J'en profite pour ramasser dedans. Il reste plus rien, pas une seule. Ah, ça a été bien vaporisé. Hein, l'explosion qui a. Ouais, ça a bien tout ventilé. Hein, ça, c'est clair. Dommage. J'espère récupérer une pièce détachée. Pour toi, pour remplacer les morceaux. On ne sait jamais. Moi, je vais me relever tant bien que mal. Tu te relèves, ouais. Puis comment tu te sens ? Physiquement, ça va ou... Je dois sûrement chanceler, hein, à cause de mon oreille interne qui a dû en prendre un coup. Ouais. Peut-être tu as pris des dégâts ? Non, bah, du coup, non, j'ai été couvert par une vue. Mais bah, du coup, justement, je vais... Nous devons nous battre. Nous ne pouvons rester ici. Ouais. Je vais tendre la main vers Anu. Là, je vais lui faire. Merci. Je vais demander un jet de sagesse pour Joker, s'il vous plaît. Joker. Ah, du coup, Joker, c'est pas une chance, c'est du Joker. Ouf. Il est aware. Il est sage. Quel enfer. Tu vois ça, tu vois la scène. Tu es dos à l'ouverture, dos à la torche, en bas des escaliers. Tu vois Anulu qui se fait relever par Ajdato. Tu vois Anil et Sylvias qui s'affaire autour de la panthère. Tu vois une ombre derrière toi. Ta tête se décale avec ton corps de façon réflexe. Et tu vois une petite javeline qui vient de se planter là où tu étais. Que fais-tu ? Est-ce que j'arrive... Enfin, je voyais la... Par rapport à la javeline qui vient d'arriver, j'arrive à... Enfin, je pourrais savoir par d'où ça vient. De derrière toi. De derrière moi. Par l'ouverture. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais faire quelques acrobaties déjà pour reculer par rapport au danger et en gueulant, c'est pas terminé. Sur ces mots, en pointant la direction. Sur ces mots, vous pouvez distinguer la silhouette abominable, répugnante, qui vous soulève l'estomac, qui vous donne des haut-le-cœur. Une créature a l'air un peu simiesque, baveuse, qui vous regarde, t'as son air mauvais. Elle semble jouir de l'aura de terreur qu'elle émet. Et elle vous contemple. Et un petit rire sardonique s'échappe de sa bouche ouverte avec ses petites dents. Cette créature se frappe le torse. Cette créature verte est un gobelin. Ah ! Qui sort de l'ombre. Oh, je suis déçu. Je croyais que t'allais dire c'est un nain. Et nous aurions eu raison. Et rapidement, il fait demi-tour et s'enfonce dans les ténèbres de l'ouverture de là où il est venu. Bien, moi, il doit pas être seul. Nous n'avons pas le choix, il faut avancer. Avant de partir, j'aimerais voir si je retrouve une trace de mon épée. Mais je n'ai peu de... Ah ouais. J'ai peu d'espoir là-dessus. Bah sinon, t'as une javeline. Alors, tu vas me jeter un des 10. Si tu fais 1, tu peux la récupérer. Pour une fois que tu dois faire un jet pourri,
En gros, elle est récupérable si tu fais plus de 1, quoi. Sur un des 10. Allez. Avec ta chance, tu vas faire 2. Bah non, pour une fois qu'il fait un bon jet. Elle est... Ouais. Bon. Bah, Il me semble que Anoulou a une épée, au pire. Bah, mm-hmm. Il y a une épée, là. Je t'en sers, forcément. Non, non. Non ? Je peux me débrouiller autrement. Ah, bah... Si ta bonté... Je détache l'épée dans son fourreau de ma ceinture et je la jette en direction de Rajato. Merci. Qui l'a saisi. Ça se payera. J'essaye de récupérer mes flèches, moi, que j'ai tirées. T'en as utilisé combien ? 2. Ouais, moi je vais faire de même, j'en ai tiré 2. Je vais faire de même aussi. Donc 2 Anil, 1 Sylvias. T'as tiré combien de fois, Nulou, 2 fois aussi ? Une fois. Un père, tu l'as. Ah non, elle est cassée. Que faites-vous ? Je vais lâcher une remarque cinglante. Moi, je vais porter ma panthère. Rajdato, si je ne m'abuse, ça fait 2 fois qu'Anoulou vous rend service et potentiellement vous sauve la vie. C'était pas vous qui étiez supposé me sauver ? Il faut se hâter. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas à moi de faire le chemin. Je pars en sautillant. Rage, si vous voulez bien ouvrir la route. Eh bien, à moins que quelqu'un pense pouvoir faire mieux que moi. J'en doute. Et là, je regarde vers Joker. Oui, non mais avancez. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Et je vais avancer. Avec, vous avancez, effectivement, dans cette ouverture, taillée, ciselée. Un couloir d'une dizaine de mètres qui débouche sur quelque chose de... qui ressemble donc... On va y arriver. Courage. Hop. De goblinesque. L'architecture, ça vous dit rien. C'est assez grand. Ça a l'air d'être une salle un peu similaire à celle que vous avez, avec une stèle en plein milieu, mais beaucoup plus de débris, une légère brume sur le sol, avec dans les recoins sombres un murmure. Sans son éveil. Vous vous rapprochez. Moi, je dépose ma panthère dans un coin sans danger. Costa, tu la déposes. À couvert, bien. Sylvias, ou à paire de pieds, c'est humain, c'est ensanglanté, un corps enchaîné au mur, un corps récent. Une femme, une autre. Elles ont toutes été éventrées. Elle aussi. 4, 5. Vous êtes en face de 6 cadavres de femmes, plutôt jeunes. On les a toutes éventrées. Elles sont attachées au mur, au sol. Bordel de merde. Et t'entends... Aidez-moi ! Celle du nom redresse un peu la tête. Elle a du sang qui coule.
Elle est éventrée. Aidez-moi. Et sa tête s'affaisse. Bordel de merde. Je vais regarder à nouveau, je vais faire... Ça te rappelle quelque chose? Est-ce qu'il y a d'autres passages? Oui, il y a au moins trois ouvertures différentes. Quel est votre sentiment? Qu'est-ce que vous ressentez? J'ai envie de dire comme pour un château, pour le coup, ça m'appelle aussi quelque chose. Et j'ai quelques appréhensions sur ce qui va suivre. Personnellement, plus écœuré qu'autre chose, et genre le sourire habituel que je peux avoir, il est juste plus là. Pas de trait d'humour de la part de Joker. D'autres sont écœurés. D'autres sont encore plus méfiants. Boum. Boum. Boum, 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 boum. C'est un tambour, clairement. Et ça recommence. Boum. Boum. Boum, boum, boum. Il faut se barrer. Ouais. Ouais. Si on peut. Vite. Je reprends ma panthère dans mes bras. Tu prends ta panthère dans tes bras. Sylvias, tu vois qu'effectivement, au fond de la pièce, là où c'est ouvert, il y a de la lumière extérieure. Ça pourrait être une sortie, mais l'ascension est difficile. Ou alors vous pouvez vous engager dans les tunnels. Vous entendez que ça, il y a du bruit qui vient de par là. Beaucoup de bruit. Ça grouille par là, vite. Qui commence à escalader? Arbalète. Qui reste pour combattre? Comment vous vous organisez? La mort approche. Je commence à escalader. Moi, je suis moins utile en combat. Tu commences à escalader. Assez facilement, tu montes un premier palier. Sylvias, il y a du mouvement sur cette petite plateforme qui est au-dessus. En face de toi, il y a ça. Des nouveau-nés qui te regardent, les yeux exorbités. Ils se collent contre le fond de la paroi. Qu'est-ce que tu fais? Je continue mon ascension. Il commence à t'agripper la jambe. Rajato, qu'est-ce que tu fais? Je rejoins Sylvias. Et je rugis pour faire peur au nouveau-né. Et qu'il le lâche. Anil, c'est compliqué avec la panthère. Par contre, j'ai pas un bonus avec mettre de la survie en escalade. Mais dans tous les cas, t'as une panthère dans les bras. Joker, qu'est-ce que tu fais? Je monte aussi, je fais pas forcément attention. Un Nelou? Je reste pour l'instant. Tu te retournes? J'épaule mon arbalète et je vise en direction. Tu vois la tête d'un gobelin qui sort de l'ombre. Ton carreau d'arbalète se fiche dans sa tête. Et bientôt, il y a une sorte de marée verte qui commence à envahir la pièce. Anoulou, vite! Du coup, je prends mon arc et je commence à tirer des flèches. Tu commences à tirer des flèches. T'ignores les morsures et les griffures de ces nouveau-nés. C'est ça. Joker, t'es monté. Anil, t'as pas réussi à monter. T'es là avec ta panthère. Qu'est-ce que tu fais? Je tends la main à Anil, sur le coup. Tu tends la main à Anil. Commence à hisser la panthère. Anoulou, t'as tiré encore 3-4 fois.
Ils vont être au corps à corps, là. J'arrête de tirer, j'aide à pousser la panthère, et dans un dernier effort, j'essaie de me hisser avec. Commence à faire l'ascension. Tu ressens une... quelque chose qui vient de se passer. Tout le monde, vous ressentez quelque chose, là. Vous ne vous sentez pas bien. Vous avez du mal à voir clair. Il y a comme si tout était plongé dans un brouillard. Alors, est-ce que c'est les champignons? Est-ce que c'est un sortilège? Vous ne savez pas. Mais vous êtes cotonneux. Vous avez l'impression de flotter. C'est vraiment très étrange. Ce que vous avez saisi dans vos mains, que ce soit la panthère, vos armes ou quoi que ce soit, c'est comme si vous ne pouviez plus le toucher. Vous n'arrivez même pas à vous toucher vous-même. Et vous avez une étrange sensation. Et vous commencez à être touché par quelqu'un. Et c'est votre voisin. Rajdato, tu sens Sylvias, Anil, tu sens ta panthère, tu sens les autres, Joker, même le contact froid d'Anulu. Vous êtes blottis les uns contre les autres. Vous pouvez vous entendre. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce brouillard? Si je le savais, ça n'a pas l'air naturel. Le son de votre voix semble un peu étouffé, mais vous vous entendez. Vous allez bien? Je sais pas si on peut qualifier ça de bien, vu notre situation. Mettons-nous dos à dos. Ouais. Commencez à prendre une posture effectivement défensive, en ne sachant pas d'où ça pourrait venir. Cette fumée blanche et... à l'intérieur, ce brouillard commence à se dessiner, une sorte de silhouette voluptueuse, fumeuse, brumeuse. C'est dur, un être en armure, une épée à la main, une épée noire, des longs cheveux blanchâtres, qui des cheveux comme si il était dans l'eau en fait. Et une silhouette qui commence à se dessiner, à sortir des limbes, qui vous regarde de son regard blanchâtre, qui s'approche lentement vers vous, qui vous pointe avec son épée. Que faites-vous? Dégaine mon arc. Tu dégaines ton arc. On a voit un. T'as posé ta panthère au sol. Oui. J'aimerais baisser la main de Daniel, genre le bras Daniel. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Perso, j'avais déjà mon arme, mon bouclier sorti. Donc je vais juste me mettre dans une posture défensive. Je me mets derrière Rajdato. Courageusement, derrière lui. Bien vu. La silhouette se décale et va se positionner, vous êtes en cercle, hein, devant Rajdato. Cette silhouette prend son épée, la met devant son visage, sombre, fait une présentation comme pour un duel, et se met en garde. Oh, bordel de merde. Je vais faire de même. Je vais mettre l'épée et... Elle fait un pas en arrière. Et se met en position de combat. Et apparemment, il te laisse l'initiative de faire quelque chose. Elle semble vouloir que moi ou Elle t'a pointé avec son épée. Ok. Bon. Je vais. Avant de partir, en fait, je me tourne vers le groupe et je fais à voix basse si vous trouvez un moyen de vous barrer, courez. Faites pas attention à moi. Courez. Et je vais rejoindre la silhouette. Hors de question qu'on l'abandonne.
T'as l'initiative. J'ai l'initiative. Elle te laisse l'initiative. Eh bien, je vais rugir et me jeter sur elle avec un coup d'épée. Tu fonces sur elle. J'ai plus de chance. Assez facilement, dévie ton coup. Telle. Elle ne réarme pas son bras, elle se remet en posture. Elle te relaisse l'initiative. Bon. Je fais pas comprendre pendant quelques secondes et puis rebelote. Je fais rugir et m'énerve. Et on va voir que je m'énerve un petit peu. Ton IPS se lève, fend l'air et s'abat sur elle. Fais-moi un jet. Non, merde, j'ai envie de force qu'elle con. Ouf. Et l'épée, t'es sûr, hein, là tu le décapites. Mais ton épée vient de juste de rencontrer l'air parce que la silhouette s'est reculée d'un coup. Oh, terrible. Et là, elle se met en posture d'attaque. Et elle va contre-attaquer. J'ai 23 de défense. Bah, c'est bon. Tu pars le coup au dernier moment. Gerbe d'étincelle. À toi. Les autres, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Ah. Tu fais une passe d'arme. Peut-être que t'es impressionné. Peut-être que c'est la peur ou parce qu'elle est particulièrement agile. Ah, ça peut les deux. Elle essaye de te mettre un coup de pommeau avec son épée. Qui passe et ta mâchoire est quasiment disloquée par ce coup. Je tire une flèche. Une gerbe de sang, tandis qu'une flèche fuse vers cette apparition et se cale sur une interstice. Ça semble affecter. Ça a touché l'armure, simplement. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Agissez, il faut l'aider. Je fais pareil, je lance une flèche. Suivant ton arc, tu l'alignes. Et tu tires. Et flèche. Se perd dans le néant. Elle a fait un mouvement de côté. Est-ce qu'il y a d'autres prétendants? Visuellement, ça s'apparente potentiellement à un genre de mort-vivant. Enfin, c'est quelque chose qui peut m'évoquer, peut-être un fantôme ou quelque chose du genre. On dirait. Mais pour l'instant, il y a une flèche qui a bien été plantée. Il y a bien une gerbe d'étincelle. Parce que j'ai quand même une petite peur de tout ce qui va être très occulte. Tu es déstabilisé, tu réfléchis à un truc. Ouais, c'est pour le moment, je maintiens l'action. Genre, tu vas avoir une information gratuite. Anoulou, qu'est-ce que tu fais? Je maintiens l'action aussi. J'ai pas compris. J'épaule. L'arbalète, je vise, mais je ne tiens pas. D'accord, tu le tiens en joue. Ouais. D'accord. Rage d'ato. Quelque part, t'es un peu essoufflé, peut-être que parce que t'es énervé ou fatigué. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je vais. Alors, je vais continuer à me battre pour l'instant. Oh, terrible! T'as plus de points de chance? Non. Donc, tu donnes un coup, t'es emporté par ton élan. Tu sembles vraiment, effectivement, au bout du bout. À ton tour, vas-y. Il baisse son épée, lève sa main gauche et fait ça. Oh. Et tu sens dans ta poitrine une vive douleur. Yes. Tu sens ton cœur qui est en train d'être broyé. Du coup, on va sûrement m'entendre suffoquer.
Fais-moi un jet de constitution, difficulté 14. Ouh. Tu prends que la moitié, tu prends que 9 moins de dégâts. Est-ce que t'es encore debout? Ok. Ou pas? Je suis affaibli. Non, je suis encore debout, mais je suis affaibli. Donc tu tiens, t'as la main sur ta poitrine. Ah ouais. Tu craches une gerbe de sang. Oh. Qu'est-ce que vous faites les autres? Je jette mon arc et je vais lui prêter main forte au contact. Tu te jettes au contact? Ouais, avec mon bâton. Tu le frappes avec ton bâton, vas-y. Je cherche pas à frapper en fin de compte, je cherche à donner des bonus. D'accord, pour l'assister. C'est ça. Donc fais-moi un jet de... Bah, au tour prochain, tu feras un jet de contact pour lui donner un bonus. Ensuite, les autres? Toujours paralysé, hein, du coup. Je tire. Anil? Je vais tirer une flèche. Anil, à Noulou? Ok, tirez, allez-y. Alors Anil, ta flèche, il l'a d'un geste avec un doigt, ping, et il arrête net le carreau d'arbalète qui fusait vers le corps, son cœur, et il casse le carreau. Pendant que Rajdato se tient encore la poitrine, qu'est-ce que tu fais Rajdato? Si je suis pas sans affaibli. Qu'est-ce que tu fais? J'attaque. T'attaques. Vas-y. Je gueule. Arrête! Tu donnes ton coup d'épée fend l'air. Il esquive sans aucun problème. Et là, il lève la main. Un faisceau de lumière noire le nimbe. Et vous avez l'impression qu'il vient d'ouvrir les enfers. Ou pas. Et il va utiliser un point de chance. Voilà. À vos pieds, des mains squelettiques sortent, commencent à vous agripper. Vous vous débattez comme vous pouvez. Vous avez clairement l'impression d'avoir affaire à une créature qui est certes d'un autre monde, mais d'une puissance. C'est impossible de survivre. Est-ce que vous gardez la foi? Qu'est-ce qui se passe? Un holo? C'est quoi ton ressenti? Quel est ton sentiment? C'est plus ou moins un esprit. Une espèce de mélange de confusion et de terreur. Je ne comprends toujours pas ce qui se passe, comment ça se fait qu'on soit là et pourquoi ça va se finir comme ça. En fait. D'accord. Anil, qu'est-ce que tu ressens? De la peur. T'as peur pour toi, pour eux, pour ta panthère, pour tout le monde. Rajdato? J'ai peur et je comprends pas qu'est-ce qu'on fout là qu'on était sur le point de claquer, de mourir à cause des gobelins. Sylvias, nature protectrice, je vais bientôt te rejoindre. Résigné. Joker, tétanisé dans l'incompréhension et impuissant. Dans une perte totale de contrôle, chose que j'ai pour autant d'habitude, enfin, j'ai un fort contrôle sur ma vie, et là je ne contrôle rien du tout. Cependant, il y a une petite once de curiosité. Ouais, parce que effectivement, cette apparition, cette silhouette, cette allure, cette armure, tu l'as déjà vue quitter Arabel. Un cheval, un beau jour.
De nouveau, vous êtes dans cet état brumeux. Sur votre visage, vous sentez la chaleur de la lumière. Vous êtes sur cette fameuse corniche nimbée de lumière à l'endroit où vous étiez. Pas bien, essoufflé, et recouvert, enfin le sol est recouvert de cadavres de gobelins. Il y en a partout. Ils jonchent le sol. Le sang va dans des rigoles à l'intérieur des interstices de cet endroit. Ça sent la mort et le sang. Péniblement, j'imagine que vous cherchez toujours un moyen de sortir de là. Arrivé à mi-chemin de votre ascension, dans cette ouverture, cette crevasse, des petites têtes barbues vous lancent des cordes. Les mineurs nains vous ont retrouvé et vous hissent. Vous êtes un peu plus loin quand même que prévu par rapport à Arabelle. Et ils sont contents que vous soyez encore en vie. Salut tout le monde! Salut! Hello! Hello! Et la parole est au MJ. Déjà? Ah bah ouais, comment faire? Hein, bah, c'est pas comme s'il y avait 50 personnes hein, sur mon live. Non, on est 3. Ah, je vais être obligé de couper la musique. Alors. Bon ben, je vais couper cette belle musique pour en enchaîner sur une autre. C'est parti, mon kiki. Alors, le soleil se lève sur la ville d'Arabelle. Ces rues commencent à être agitées,
par les habitants qui s'affairent à leur tâche. Les amis se saluent, les commerçants ouvrent leurs échoppes, les enfants font leur corvée. Un chien aboie sur un chat au perché qui fait nonchalamment sa toilette. Une belle demoiselle étend son linge, un manouvrier transporte une lourde caisse. Au point de rendez-vous, de jeunes personnes sont attendues devant la guilde des aventuriers d'Arabelle. Avec pour seule consigne, se présenter à la caserne principale de la garde. Sous la houlette et la supervision de Anil, Rajdato et de Anulu, qui doivent encadrer les postulants. C'est à vous. Bon, Anul, elfe féminin accompagné d'une pantane noire. Ça doit être à peu près tout. Ça doit être tout à peu près. Anil qui a une caractéristique. 22 ans. Qui est donc jeune et qui a également donc des oreilles bien pointues. Qui montre ses origines un peu elfiques tout de même. Elle est habillée de quelle façon, Anil? En cuir, mais très léger, on va dire. Très pour être discrète dans la forêt. Mm-hmm. Oui, c'est une druide dont elle est. Elle est druide. C'est son élément, la forêt. Tout à fait. Elle est recouverte, elle est habillée de cuir. Un arc court, un bâton, et effectivement, une panthère à ses côtés. Une dague aussi. Tout à fait. Et donc, juste à côté de Anil, se trouve... Sylvia, c'est... Excuse-moi. Vas-y, Rajdato. Ok. Eh bien, moi, je suis Rajdato, comme déjà dit deux fois. Je suis un félice chevalier guerrier de niveau 2 qui fait 1m77 pour 76 kilos. La belle bestiole. Et c'est tout, en fait. J'ai un cheval qui s'appelle Rajidar et que je fais... auquel je tiens comme la prunelle de mes yeux parce que je le connais depuis ma tendre enfance. Donc un vaillant combattant, cuirassé, surmonté d'une tête de lion, assez impressionnant. Et juste à côté donc de ces deux personnes, une autre silhouette un peu plus sombre. Celle de nouveau, une âme forgée, un balétrier, vêtu principalement d'une armure de cuir sombre ainsi que d'une grande cape. Une grande cape, vous pouvez voir sur son dos une arbalète lourde ainsi qu'à sa ceinture une épée. Et on distingue donc une silhouette qui se... Qui se... Pardon, j'ai pas entendu. Qui se... Une silhouette qui se rapproche. Olshad. Sylvia du bois de Chondal. Vous remarquez un homme, 1m72. Il a les oreilles légèrement effilées, caractéristiques d'elfe. Mais néanmoins, ses traits sont assez humains. On peut deviner finalement un croisement d'elfe et d'humain. Il est habillé d'une armure de cuir marron. Il a une barbe, une moustache assez propre, des cheveux assez longs. Sur le côté, il tient également un bâton qui l'aide peut-être à marcher. Il semble assez frêle.
pour ses 1m72. Et il parle assez peu. Il a un arc également. Et on peut distinguer une petite dague sur le côté qui ne lui sert que très rarement. Il est temps que le dernier larron fasse son entrée. Entrée en soi fracassante, étant donné que, pour distinguer un petit peu la manière de marcher d'île de garde pour le moment, c'est similaire à Jack Sparrow, donc c'est très aléatoire comme façon de marcher. Il semble tourner sur lui-même. C'est un bouffon tatoué de partout, avec un certain nombre de tatouages plus ou moins cabalistiques. Les cheveux bleus, ça se voit que c'est artificiel. Il a donc une larme au niveau du visage, enfin, de tatoué. Il porte une dague et une rapière, une armure de cuir, et semble plutôt décontracté, malgré le fait que ce soit une mission qui soit potentiellement sérieuse. Donc, c'est sous ce soleil qui se lève, sous cette belle journée qui... se réunissent devant le bâtiment de la guilde d'aventuriers d'Arabelle. Des aventuriers qui ont été acceptés, qui ont postulé, qui ont rempli une mission, qui ont été effectivement enrôlés d'île. Anoulou, Anil, RH Dato, vous avez en charge donc la supervision des nouvelles recrues. Et avec pour seule consigne aujourd'hui, vous présenter donc à la caserne principale de la garde de la ville d'Arabelle. D'accord. Donc c'est la première fois que vous voyez effectivement ce demi-elfe et cet être un peu bariolé. Salutations. Bien, certain entrain. Enchanté, je suppose que vous êtes les nouvelles recrues de la guilde. Perspicace. Je réponds juste par un hochement de tête. Le contraste entre ces deux nouvelles recrues est assez saisissant. Ça vous laisse un peu pantois. Est-ce une possibilité d'avoir un acompte ? Disons que je meurs de faim et ça risque d'être compliqué, surtout si je ne mange pas. Une pièce d'or, quelque chose du genre. Si tu as absolument besoin d'argent pour un repas, je pourrais payer à ta place, ce n'est pas un problème. Ouais. Je peux lui... tends la main vers Anoulou. J'ai dit que je paierai à ta place. Qui veut ? C'est pas très bavard. Paul Chan, Kiko. Oui. Y a des arbres à côté de nous ou pas? Oui. Donc je peux lancer magique sur un arbre. Bon, on va dire que tu as déjà utilisé ton talent ce matin. Tu le fais, on va dire, c'est une routine tous les matins. Bien souvent tu le fais puisque tu ne vis pas à l'intérieur des murs d'Arabelle, tu vis juste dans les bois, juste à l'extérieur. Et effectivement, il t'en reste une dans les poches, effectivement, qui a encore des vertus curatives. Bah, je l'offre à Joker pour qu'il puisse manger, vu que c'est aussi sa vie d'un repas complet. Ah non, merci. Vous devriez accepter ce que la nature vous offre. Mais encore, je n'ai pas envie de fruits, ni de légumes, ou quoi que ce soit. J'ai d'autres envies. Je sens que je vais bien l'aimer, celui-là. Dis-je en descendant de mon choual. Mmh.
Bien, l'ordre de mission, concrètement, c'est quoi? Parce que vous avez l'air complètement... Nous devons vous présenter à la caserne de la garde. Ah. Tout simplement. Pour information, la caserne de la garde, ou venons loin, là où je ping sur la carte. Ok. Très bien. Et nous, on est là, ça. Non, c'est au-dessus. On est là, c'est ça. On est en face, hein, mais... Ah oui, il suffit juste de traverser, de remonter un peu la rue. J'ai pourvu. Je vais prendre mon cheval par les rênes et je vais commencer à marcher. Je vais leur faire... Allez, plutôt on y sera. Plutôt on y sera. De sages paroles. Si je comprends bien, cette petite troupe se met en marche. Effectivement. Vous suivez donc le Félix. C'est effectivement pas très loin. Hein, donc, c'est un bâtiment fort où vous pouvez voir à l'extérieur un contingent de gardes en rang et en faisant des exercices de mise au pas. Somme toute assez militaire. Un sergent qui semble hurler sur eux. En leur donnant des consignes. Et vous vous présentez donc à l'entrée principale où sont postés deux autres gardes, un petit peu plus âgés, un peu plus barbus. Et l'un d'eux vous fait signe de tête. Oui. Oui, bonjour, on vient de la part de la compagnie... Les héros d'Arabelle. La compagnie des aventuriers d'Arabelle. Ah oui,